Numéro 23 d'Assassin's Creed Valhalla, j'espère que vous allez bien. Du coup, on a pas mal de choses à rattraper, si tout va bien. Ou pas, si tout va bien, si tout va pas bien, je ne sais pas. Je vais juste vérifier comme d'hab qui est tout, qui est le son et tout. Voilà. Et ce sera nickel ensuite. Alors, voilà. C'est bon, le son est là. Je vois vos commentaires, s'il y a des commentaires. Et on peut y aller. Go! Alors, on en était du coup ici. On devait attaquer le monastère dans le Kent. Et après, on devait retourner voir Baronvie du coup. Donc, c'est parti. Oups! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ma Eternal Portia là? Oh! Attendez. Option de diffusion. Bah ouais, je comprends pas. Le truc qui me fait n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est. Hop. Catégorie. Alors. Assassin's Creed. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, mais. Non, tu peux pas dire que c'est du mal à mettre pour ça, c'est pas possible sinon. Il y a un problème quelque part, hein, voyons. Alors, c'est parti, du coup, on y va. Ouf, parce que là, c'est du n'importe quoi sinon. Ok. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas appeler ma monture. Appeler navire. Voilà. On appelle le navire, pardon, c'est pas plus mal. Je vais juste recharger ça pour être bon. Et on va plonger pour retrouver le navire et du coup attaquer le monastère. Tout bêtement. Voilà. Pillage. On pille. Par contre, à chaque fois, ce qui est chiant, c'est qu'il se met toujours voilà, de l'autre côté. Alors que. Bon, du coup, ça va un peu débile. Ça fait genre voilà. Allez, go, on va piller. Ça va être cool. Pop. Pillage. Ah oui, non mais. Je suis pas venir de se diriger vers la côte. Voilà, il se dirige vers la côte. C'est bon. Les trucs qu'ils ont le temps de voir. Genre, oh, on se fait attaquer, merde. Non, oui, on est en train de se faire attaquer. Alors, hop. Alors, vous allez voir à quel point je suis tellement. Nul. Voilà. Hop. Du coup, donc c'est la première fois que je suis sur Twitch par rapport à Assassin's Creed Valhalla. On est au l'épisode 23. Oh oui, en effet, car avant j'étais sur YouTube, maintenant je viens sur Twitch. Je sens mes forces revenir. Voilà. Donc du coup, voilà, voilà un petit peu pour vous expliquer tout ça. C'est chaud. Donc moi j'ai une phase, enfin j'ai une manière de jouer qui est un peu spécifique, c'est-à-dire que je vais vraiment chercher tous les trucs. Avant de terminer, machin, enfin voilà, je suis vraiment concentrée sur ça. Et ça peut être chiant quand même à un moment donné. Voilà, au cas où, vous le savez. Vous êtes mis au courant de cette folie. Ok, matière première, c'est ce dont on a besoin. Bah du coup, on peut passer par là. Attends, non. Attends, d'abord, je vais récupérer ça. Hop. J'ai l'impression d'être dans The Last Kingdom quand on arrive par en dessous là. Bon, après, c'est sûr, ils se font avoir, mais. Alors. Montons l'escalier, voir s'il n'y a pas des mobs. Michons dans le coin ou pas, je ne sais pas. Salut! Allez, tu me fais ça aussi pour toi. Allez, mange-toi ça, toi. Rentre chez toi. Bah tiens. Voilà.
Et voilà. Par contre, je sais pas quoi, parce qu'il y a tout qui brûle après. Les mecs, hein, vous chiez un peu dans la colle. Tu veux pas dire, mais... avant ouais, d'aller chercher ce truc là, on va vraiment faire peut-être le truc qui est un peu partout, éventuellement. Oh punaise! T'as le bug, tu vois. Oh les bugs! Alors. Ah là, nickel. Faut venir m'aider. Avec un peu de chance, j'ai des gens qui vont venir. Avec un tout petit peu de chance! Hop! Nickel. C'est bon, y a plus de bug. C'était chiant ce bug là comme ça. Du coup. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà. Là aussi on a le truc. Et là du coup. Hop, voilà. Oh ouais, un petit peu, buggy. Rien, il se passe rien. Il y a juste des ventes partout, mais ça va, tout va bien. Voilà. Alors, ensuite, faut peut-être que je monte, non? Je pense. Parce que si je vais par là, par la droite, ouais, ça va peut-être me ramener là-bas. Vas-y, je vais y aller. Ou pas, je sais pas si ça va ramener où je veux que ça m'emmène. Hein. Okay. Ça n'est pas emmené où je voulais. Hop. Allez, saute. Mais saute! Oh, ça, vous êtes chiant quand vous faites ça chaque fois. Ah non, il est avec moi, lui. Ok. Eh ben non, justement, ça manque pas de butin, justement. Patate, voyons. Ok, ça c'est bon, c'est fait. On a récupéré ce qu'il fallait. Ah putain, c'est des voltigeurs à la cour, je les déteste ceux-là. Voilà. Voilà. Ça c'est là, je fais. Hop. Il est un peu bugué là, je sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a pas mal de bugs. Alors par contre, est-ce que je peux passer là? Non, je suis déjà en ration complet, ok. On est où? Ok, on va se concentrer peut-être sur les trucs qui sont derrière, au pire des cas. Genre là-bas, comme ça on va chercher ce qu'il y a à chercher. Ah bah c'est dedans. Non, ça va, c'est des trucs. Déverrouiller la porte, ouvrir la porte, comme ça les gens qui vont venir m'aider. Ah bah encore peut-être qu'il y en a un qui vient. Ah c'est bon, il y en a bien un. Hop. J'étais en train de me dire aussi, c'est quoi ce bins? Mais c'est bon, ils sont là. Ok, donc on a toutes les richesses déjà. Je vais juste ouvrir la porte aussi ici. Histoire que la porte soit déverrouillée, forcément. Donc, comme on a toutes les richesses, il me reste que des petits trésors à récupérer. Donc, après, je vais quand même aller faire un tour sur le côté là, je pense. Voir s'il reste pas quelque chose. Je ne pense pas, mais bon. Sait-on jamais. Et là on a un truc à 47 mètres. Alors... je sais pas s'ils vont venir m'ouvrir, m'aider à ouvrir par contre. Est-ce qu'il y en a un? Ouais, il y en a un, c'est bon, qui vient m'aider. C'est cool, merci, merci. Voilà. Ensuite, j'ai des trucs à 80 mètres et tout, donc forcément, bah... c'est tout ce qui me reste en fait. Voilà. Ah bah toi t'es... c'est bon, manger. Oh.
Ok, bon. Allons dans cette maison, du coup. Enfin, si j'arrive à rentrer dedans, parce que c'est autre chose aussi. Zen, papy, zen. Voilà. Alors. Je sais pas s'il peut passer la porte comme moi je viens de le faire. Je pense pas. Non, ça c'est bon. Et du coup, il faut encore que j'aille chercher. Ah! Ah, ça je pensais pas vraiment. Ouh, il va se détendre le méchou là. Ah, oh, tiens, moi je fais ça. C'est pas grave. Voilà. Et hop, ça calme direct. Alors, ça calme direct. Ok, voilà. Toc 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 toc. Et après, du coup, si on va par là-bas. Encore faut-il récupérer. Ça a l'air d'être ouais, vachement en bas. On va quand même monter sur le monastère. Si ça se trouve, c'est au bord du. Au bord du monastère. Oui, voilà, c'est là-bas. C'est à l'extérieur du monastère, je dirais même plutôt. Et là, ils sont tranquilles, hein. Oupsie. Oh non, ils sont en train de faire le feu, tranquille, ils savent pas ce qui se passe, ils entendent que le truc il est à feu et à sang, mais rien à faire. Allez, monte, voyons. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est lent, c'est pas possible. Et voilà, le coffre, du coup, nickel, c'est bon. Mon bateau, il est pas très très loin, ça va. Du coup, il me reste vraiment... Oh, j'ai fini tout le Kent. Mais c'est cool, ça. Mais c'est cool, c'est cool. Plouf dans l'eau. Ça se termine. Bref. Allons chercher le navire. Et on récupère ça. Et c'est good. Hein, on va récupérer le navire, comme ça, là. Ah ouais, moi et les minerais en plus j'adore ça, donc il faut les prendre. Il faut les prendre. Tac tac tac. Voilà, nickel. Je me sens bien. Je me sens bien. Allez, prends le commandement. Voilà. Alors, si on fait ça comme ça. Et qu'on démarre bien comme il faut, normalement. Je veux qu'on dépose le mât. Je veux qu'on... C'est bon, il est levé le mât. Arrête de râler. Tout va bien. Le mât est levé. On va faire le tour du truc aussi. Oups. Pardon. 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 Attends, au cas où, je vais quand même monter. Bonjour monsieur pêcheur. J'ai plein de trucs à faire encore. Il me manque plein de choses à faire encore. Y aurait-il un bug sur le live? On dirait qu'il y a un bug sur le live. Ou alors c'est moi qui... Je sais pas. Je vais voir ça. Ben, ça a l'air d'être bon encore, le live est encore en live. Mais ça a l'air de charger, je ne sais pas pourquoi, ça c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ouais, bah ben, je sais pas alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah si, ça a l'air de charger... Oups là! Oups là! Alors, touki touki touk. Je
je vais voir un peu si j'ai pas deux trois trucs. Je sais pas pourquoi ça a l'air de laguer. Je vais juste regarder sur le truc normal. Ouais, voilà, là. Voilà. Info du stream. Alors, juste un instant. Donc, voilà. Oh, je dois avoir la tablette qui bug. On dirait en tout cas, puisqu'on m'entend encore bien. Ouais, on m'entend bien, donc je ne sais pas ce qui se passe encore. Oui, donc je suis en direct encore, donc tout va bien normalement. Normalement, hein. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu, je pense quand même. Voilà. Et puis on y va. Hein. Alors, je vais mettre ça sur le coin, peut-être. Hop. Voilà. Je vais plus avoir de batterie après. T'sais. Ça va pas être cool ça. Alors, c'est juste pour. On avance ici juste pour voir s'il n'y a pas un petit trésor qui est caché ou que sais-je encore. Ça n'en a pas l'air du tout, donc on va voir ça. Voilà, on met pause comme ça. Toc. Hop. Alors, si on monte ici, peut-être. Oh! Donc, c'est pas un jaguar, ça va. Si c'est un jaguar, c'est foutu. Non, ben. Y a pas de. Y a rien. Y a pas de trésor et tout. Donc, c'est parti. On part sur. Sur Ravensthorpe. Du coup, rendre la quête et rendre compte à Ranvi. Et puis aussi, bah, faire du coup. Ce que je voulais faire, c'est-à-dire. Yotunheim. Voilà. Voilà. Ça a été à peu près ça la suite du live, on va dire. Voilà. Le chargement est en train de se faire. Hey. Le chargement est en train de se faire. Oh, le camion qui passe. Alors. Donc du coup, cet épisode-là, ça va plus être sur le Yotunheim. Du coup, je vais aller rendre compte à Ranvi du truc, puisqu'on a retrouvé enfin, le bras de notre frère, du coup. Voilà, que Foulke. Elle a mis en évidence pour qu'on le trouve, cette folle. Voilà. Donc, ben, du coup, maintenant, bah, il faut qu'on, tout bêtement. Voilà. Alors, Ranvi. Attends, j'ai peut-être des trucs à améliorer aussi d'abord. Parler au forgeron. Mais oh, j'appuie sur parler. C'est chiant ça quand même. Là, voilà. Oh, punaise. Trois plombes à chaque fois. Alors, je veux améliorer mon Qu'as-tu à me équipement. proposer aujourd'hui? Je peux Non, facilement te trouver ça. j'ai besoin. Enfin, je peux pas. Il me faut le lingot de Il me faut le lingot de Ah. tungstène, du coup. Je dois me mettre en route. Donc, Au c'est pas la revoir. peine. À notre prochaine rencontre. Ah, oui, tout à fait. À notre prochaine rencontre. On a le temps d'ici là. Alors. Et il est où? Et il est où? Voyons voir un petit peu. Oh, on a un message dans notre boîte. Et. Non, on va pas commencer le festin. Allez, oh, tu...
Ah, oh, cinématique. Dag. Oh bordel, Dag. Où est-il? Où est Sigurd? Il est en vie. Mais pas avec toi. Où est-il? Pas maintenant, Dag. Il faut que je parle à Randy. Tu ne l'as pas trouvé, n'est-ce pas? Réponds à Ivor. Nous devons savoir. Je dois parler à Ranvi. Laisse-moi passer. Tu ne l'as pas trouvé parce que tu ne l'as pas cherché. Je vois en toi, Ivor. Je sais bien qui tu es. Ah ouais. Ivor, tu reviens seul. Cela ne présage rien de bon pour Sigurd. En effet. Je ne l'ai pas trouvé. Cette folle de Fulke, elle a réussi à filer. Elle l'a emmené dans le Sussex. Il nous faut une armée. Fais jouer nos alliances. Rappelle que des serments m'ont été prêtés. Nous devons agir avant que... Avant que... Avant que Sigurd soit mort. Avant que quoi, Eivor? Elle l'a supplicié, Ranvi. Des actes indicibles. Elle lui a coupé un bras et l'a laissé en cadeau. Je crains qu'elle ne veuille le tuer. Lentement. Par les dieux. Comme elle dit. Par les dieux. Engagement obtenu. Argent plus 350. Une tempête s'annonce. Prendre du repos chez soi. Attends, j'ai d'abord un truc à lire. Lire la nouvelle lettre. Lire la lettre de Tengholt. Eivor, ce vieux Gedrich ne voulait pas entendre parler d'une cérémonie d'investiture au rang d'Alderman. Mais je l'ai convaincu que c'était pour le bien du comté. Le roi Sheowulf la présidera en personne. Si tu peux y assister, je suis certain que Gedrich en serait touché. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a, du coup? Ravenstorp est maintenant un village, il y a tellement d'habitants qu'il est devenu possible d'étendre certaines de nos fermes. Ceci en améliorera l'efficacité ainsi que la taille et la nature de nos fêtes. Jette-y un œil quand tu pourras. Ok. Je vais pas faire tout de suite la quête de reprendre du repos chez soi, puisque d'abord, on a quand même encore pas mal de choses à faire. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Qu'est-ce que je n'ai pas acheté, par contre? Je crois qu'il y a là-bas, j'ai pas encore acheté. Non. Le bœuf festif, là. On a... Ah oui, on a... Ben là, il y en a trois trucs ici. Et après, je sais pas. Le bétail. Bon, ouais, on a pas de truc de partout. Ok. On va aller là-bas. Du coup, vas-y, j'ai un bug de cap là. C'est quoi ces bugs qu'il y a, quoi? En ce moment, je sais pas à vous, mais partout il y a des bugs en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ferme à grain. Plus 3 d'armure. Bon, on va faire la ferme à grain déjà, dans un premier temps. Voilà. Hop. Et ensuite... ben voilà, du coup, on devrait passer bourg. Cool. On passe bourg. Ok, nouvelles opportunités, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, du coup, on peut interagir ici. Et là, on peut bâtir encore plus, d'accord. Donc là, c'est l'extension, en fait, dont il parlait. Que vois-tu, ma vieille amie? Ok. Mais là, on a déjà construit, du coup. On l'a construit un peu partout... c'est quoi ça? On n'a pas encore fait ça là-bas, je crois. Si on a fait la maison d'art. Hop!
Mais du coup, on a tout créé normalement, non? C'est Nino. Ouais. Ah non, on n'a pas créé la maison. Je vais aller la créer, comme ça c'est fait. J'ai un bug de cap là, ça m'énerve. Tu marches, t'as un truc bizarre qui passe et tout. Non, 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 je n'irai pas dormir tout de suite. Oui, le truc de quête, on va le prendre. Les plantes de Valka. Hop. Voilà, comme ça on fait ces quêtes là. Construction achevée. Nickel. Et là par contre ça va être hyper... Ah attends, il y a un truc là qui est marqué. Du coup. Laisse-moi t'avertir, Jouteur, je suis plus que je ne parais. Je suis le seul je suis le cauchemar des parleurs. Et les mauvais poètes, je fais pleurer. Essayer et les femmes, je fais rêver. Où et je sens meilleur qu'à marais. Planter, gloser, chanter. Ok. Attends, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Pas grand-chose. Lire. Ta joute verbale s'est nettement améliorée depuis notre dernier duel, mais je voudrais t'adresser un conseil. Tu utilises beaucoup de répliques comme celle-ci, et ce duel je vais remporter, et ton visage de honte va brûler. Je me suis fait une règle de ne jamais utiliser ce type de construction, car elle place l'emphase au mauvais endroit et semble assez tourmentée. Ceci peut paraître élégant dans un poème, mais lors d'une joute, cela semble désespéré, ce qui ne doit jamais se produire. Les mots doivent couler comme de l'eau, ce qui n'est pas le cas des tiens. C'était pas moi, poème de Holger. Comment pourrais-je être moi? Moi qui cherche par-dessus tout la beauté. Est-ce un crime de vivre? Je dis que vivre, c'est peindre. Et d'emprunter ce qui ne prive personne? Injustice, me voilà dépeint comme ville. Ah ouais. Il y a encore un truc là. Tekla, elle sourit comme un cheval et a des cheveux de paille. Dès qu'elle boit de l'hydromel, elle ne pense qu'à la ripaille. Un vieux fou difforme penché sur sa forge. Quand je le vois, le rire envahit ma gorge. Ranvi, l'épouse de Sigurd, ah, elle est amoureuse d'une table. Elle coucherait avec si elle en était capable. Trop facile. Ok. Vous êtes pas un peu fous, vous deux? Sur les bords? Je vais voir si j'ai assez de trucs à lui rendre. De masques et tout. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que j'ignorais ce que c'était toi? Oh oui, je connais ton vrai nom. Ouais, mais ça, on l'avait déjà fait du coup. Alors. Ok. Donnez des ronds, là. D'autres objets anciens pour ta collection. Voyons ce que tu as. Magnifique. Et voici quelque chose pour toi. D'autres objets de ce genre me seraient utiles. Oui, bah je vais t'en ramener, il n'y a pas de problème, je comme d'hab, de congé. Toute façon. Adieu. Je te les ramènerai toujours. Ah là, oula, oula, je me bloque. Allez, allons-y, c'est parti, on va rendre la quête à Volva et du coup on va repartir à Jotunheim. Toc toc. Toc tac. Toc tac. Toc tac. Hop. Toucou toucou touki. Hop. Toucou touki touki. Hop. Oula. Parlez. J'ai la plante que tu as demandée. Ça n'a pas été sans mal. Bien, bien. Merci, Eivor. Voilà. Sois prudent. Ce liquide te glacera les lèvres, mais te brûlera à coup sûr les entrailles. Ok. Alors, donc là, c'est la potion pour aller en Asgard. Puissance suggérée 120. On est à 130, je crois. 160 même, non? Ouais, même 200. Ça va. Ça passe large. Et maintenant, on boit la potion et on va partir. À Jotunheim.
Oh, le bruit dans les oreilles, ça fait hyper mal. C'est horrible. Oh, il n'y a plus de son. Ah oui, non, c'est normal. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Waouh. La saga des neiges. Waouh. C'est beau. Jack Asgard était beau. Alors, You Tonight doit être encore plus beau. Voilà. Je suis arrivée. Oh punaise. Nouveau territoire découvert à YouTube. Ah mince, il est en train de parler hein. Pourquoi il parle quand je suis occupée? Oula. Bon, Jotunheim est petite. Mais quoique, Asgard est quand même plus... hein, voilà. Et ça, c'est pour me réveiller. Et ben, c'est parti, du coup. Je n'avais pas mis les pieds ici. Je n'avais pas mis les pieds ici. Je dois trouver Anger Boda, la sorcière. Elle sait tout ce qui se passe ici. Ok, bon bah du coup c'est parti, maîtresse du bois de fer. Donc du coup, comme d'hab, on n'est plus Eivor, on est Avi, donc Odin. Trouver Angr Boda et lui parler. Plus de points de compétence. Je vais aller voir la quête qu'il y a là. Oh là là, des géants bleus. Ils ont festoyé pendant des jours dans cette halle. Mais ce n'était pas pour nous, esclaves. C'est pas lui ? Si, c'est lui, normalement. Je suis sur PS4, Dirkouille, et salut. Sur PS4, comme tu peux le voir dans les, dans la bio. Comme tu peux le voir dans la bio, du coup, justement, c'est... C'est sur PS4 et sur PC. Sur PS4, tu me vois pas, et sur PC, tu me vois. Tu vois ma face cram, on va dire. Par contre, il y a une quête par là. Par ici ! Viens prêter hommage aux dames de la fête. On est chez Avatar, tu sais. Alors. Bienvenue à toi, Aesir. La halle de notre père est ouverte à tous. Je me souviens qu'il y avait un chaudron ici, apporté par Thor depuis la halle de Ymir. Profond d'un mille, d'hydromel, comme ce chaudron me manque. Père a misé ce chaudron lors d'un pari stupide avec Soutongre et il a perdu. Mais il nous reste ah oui, j'adore le jeu. Où est Aesir en ce moment? Parti pour Utgard. Il a envoyé le chaudron à Soutongre, mais il n'est jamais arrivé. Alors il est allé voir ce qu'il en était. Et assez parlé de ça. Tu es en visite dans notre belle contrée et nous en connaissons les secrets. Pose-nous tes questions. Comment elles font trop peur. Ouais, j'adore le jeu, franchement. Franchement, j'aime bien. Bon, après, il est quand même couvert de bugs et tout, mais j'aime bien. Bah là, en fait, c'est mon premier jour sur Twitch. Habituellement, je streamais sur YouTube. Maintenant, je viens sur Twitch. Donc, du coup, je vais streamer souvent, ouais, en effet. Et pour Odyssée, je l'ai terminé, moi, déjà, il y a longtemps. Oh, je l'ai terminé en mai, je crois.
Donc voilà. Alors, parlez-moi des animaux sauvages, vais-je trouver par ici? J'ai entendu parler d'un grand ours de pierre et de glace qui vivrait près d'un lac gelé. Assez parlé, buvons. Avec plaisir, on va tenter de boire un petit peu. Laisse-nous te parler encore de notre pays. Bah, disons que Twitch est quand même beaucoup plus propice à avoir une conversation un peu plus avec la communauté. Il y a aussi pas mal de choses pour les streamers avec les succès et tout, de stream et tout. Donc, depuis ce week-end, je me suis dit, allez, je teste, voir un petit peu ce que ça donne. Et pour le moment, franchement, j'ai streamé ce matin, j'étais ravie. Et là, je stream sur Valhalla aussi, je suis ravie. Après, au fur et à mesure, on verra comment ça avancera, quoi. Je veux connaître l'inconnu. Où dois-je chercher ? Il y a près d'Utgard une tour brisée qui était jadis un lieu de grande magie. Peut-être est-il possible d'en trouver encore. À la magie ! Puissions-nous ne jamais s'en manquer. À la magie ! Elles vont nous faire boire en fait, c'est ça. Je viens du Grand Est. Je vais boire à ça. Skål. Laisse-nous te parler encore de notre pays. Contez-moi une histoire triste. Racontez-moi une histoire tragique. Un jour, Thor conduisit le grand serpent Jormungand sur nos rivages. Beaucoup de navires ont coulé et des jotnars se sont noyés. Cherche sur la grève un arbre solitaire et marche en dessous. Tu verras. Maintenant, buvons à la mémoire des morts. Buvons. Attends, par contre, je vais finir sous comme pas possible. De Belgique. Oh, c'est pas très loin, ça. Tu n'as pas l'air bien. Est-ce l'effet de notre bière sur toi? Piouf. Et voilà, il est tombé. Au moins, on aura fait le mystère du truc, je pense. Hop là, mystère. Oh, attends, j'ai l'impression qu'un sanglier m'a chié dans la bouche. Eh ben. Où suis-je? Il faut que... que je découvre ce que j'ai fait pendant mon ivresse. J'ai tout oublié. Oulala. Couvert de vin et de vomi. Ce sont des vêtements d'esclaves. D'où est-ce qu'ils viennent? Oh, alors, t'as pas fait quelque chose de très net, moi, je pense. Oh, comment ça tourne? Oh là là. Oh là là, il y a un coffre. Ouh là là, il y a un coffre. Attends, il y a d'autres trucs là-bas. Hop, oh là. Il y a des Ah, ça y est, je redeviens moi-même. Enfin, c'est mieux comme ça. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait boire. Mais... Oh, punaise. Trouver... Ah oui, non mais... Attends, il y a des trucs partout là. Ouais, il y a le trésor là, forcément. Il faut que je trouve les trucs et tout. Ah, il y a un truc. Ah, je dirais que je suis sous, j'aime pas. Il y a un bonhomme là. Ouais. Ok, il y a une... Snortington le sanglier. Autrefois prisonnier, aujourd'hui libre. Je crois qu'on en a même fait une chanson. Il faut que je le tue? Non. Il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Je sais pas si je le tue le sanglier. J'ai peur en fait de tuer le sanglier quand on repère. Du coup, j'ose pas. La clé elle est par où? Je l'ai vue. C'est lui qui a la clé non? Non, mais elle est où la clé là? Oh. Ah, il y a un truc là, c'est quoi? Oh.
Attends, parce que je sais. Ah oui, la clé est là-bas, j'avais pas vu. Moi, je suis encore sur la quête, tu sais, comme si c'était important. Excellent. Putain, ils ont l'air vachement gentils, hein, punaise. Bon, dans God of War, Yotunheim, c'est plus. C'est... Ah, mais il y a plein de trucs partout là. Non, j'ai pas envie de voir avec toi, laisse-moi tranquille. Je connais le délire. Hein. Allez, mais mon sort. Au pillard de la mer de bière. Les souris de la brasserie parlent du voyage de la nuit dernière. Punaise, je me sens toute petite. Tout petit. Examinez. A-t-on essayé d'aller quelque part en bateau? De traverser la mer de bière vers... Vers... Oh, c'est le noir complet. Il est sérieux, faut vraiment que je plonge dedans. Oh là là. Mais je vais tomber dans les pommes, en fait. Récupérer clé. Le mec, il a vraiment foutu sa clé dedans. Il s'est dit, vas-y, personne va aller chercher ça. Aïe, je suis moté. Par contre, je suis saoulée. Je vais tomber dans les pommes. Aïe. Oh, c'est horrible. Je me sens tellement mal pour lui. Ah, t'as vu ça, pause. Ça donne envie de vomir, quoi. Waouh. À l'époque, je jouais à un jeu, c'était Spyro, quand j'étais petite, et on se retrouvait, au bout d'un moment, on se retrouve dans une sorte de bateau. Et je crois que j'ai eu le mal de mer pour la première fois de ma vie. Alors, attends, hop. C'était horrible. Quand je dis horrible, c'est vraiment horrible. Bon, allez, on ramasse ça du coup. Pierre de Sandimir. Oh voilà. Oulala, là, c'est ça qu'il va falloir que je cherche là partout maintenant. Ah, mais là, on peut pas ouvrir du coup. Dommage. Dommage. Vas-y, je suis tellement saoule que je sais même plus. Écoute, j'ai jamais été à ce point saoul de ma vie. Je suis pas quelqu'un qui boit des masses non plus. Je bois occasionnellement, vraiment, et encore, je m'arrête vraiment très... Très peu. Par contre, ouais, il faut quand même que je trouve ce qui m'est arrivé. Là, il y a le tonneau, mais je sais pas quoi faire avec ce tonneau. C'est bon, détendez-vous, tout va bien, je vais pas vous taper. Parce que là, j'ai un truc à faire avec le tonneau. M'en fous, j'y vais, je le tue. Voilà. Moi, je comprends pas ta langue, mon ami. Par contre, il faut parler un peu plus... Bon, bah du coup, il me restera ça à finir. Hein. Et puis, de toute façon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention, à boire avec modération. Bon bah du coup on reviendra là au pire si jamais. De toute façon je pense qu'il y a un délire avec Allez vas-y, avance petit. Ah ouais, c'est une pierre. Ah bah, tu m'étonnes. Pierre de sang d'Ymir. Ok. Bon bah du coup c'est comme l'autre. Tant qu'on n'a pas la pierre de sang, on peut pas le faire. Ok. Bon bah du coup on va descendre sur la gauche ici déjà dans un premier temps. Oulala. Oulala. C'est par là qu'il faut que j'aille. Ouais. Généralement quand t'es à ce point là sous comme avec Eivor là, ça peut passer des choses... Bien, on va dire. Bon, une fois qu'on aura sorti la ville, on ira. Respire la magie des yeux. Les apparences y sont trompeuses. D'accord.
punaise, hey, je vais pas. Ma santé psychologique, elle va pas. Elle va pas être bonne là. Il y a un truc à 5 mètres. Ah, j'aime pas ces trucs de jeu comme ça où tu vois pas ce que tu veux trouver et tout. Tu veux pas descendre? Ok, tu veux pas descendre, tant pis. Moi, je vais te faire descendre. Non, mais du tout. C'est quoi ces manières? Tu m'étonnes. Ouais, non, là, dans ces conditions-là... Dans ces conditions-là... comment dire? Comment te dire? Alors, on a un truc en dessous. Oh, il doit y avoir un rapport avec ma torche là. Wouh! Ça marche pas comme ça? Fond! Classe! Fond! Yeah. Ah, non, je peux pas. Ah. Ouh, que ça m'énerve! Vas-y, on va tout ce qu'on va faire. On va aller prendre le. Yotunai est très blanc. Elle est très blanche, Yotunai. Hop. Alors. Ouais. Attends, parce que il faut. En même temps. Ah. Je comprends pas tout. Bon. Y a pas quelque chose à péter, je sais pas moi. On dirait pas. Y a rien à. Pap. Oh, c'est du sanglier, ça va. Attends! Mais t'as pas! Non, tu mords pas. Par contre, c'est des sangliers. Tête de sanglier. Ouais, j'aime bien utiliser. Tu te calmes. Tiens, mange-moi ça. Je crois que c'était un homme, moi. De loin, on aurait tellement un homme. Mais... Ah, peut-être qu'en passant de l'autre côté... Allez, vas-y, saute. Oui, en passant de l'autre côté, ça marche mieux. Et oui, tout est dans le résultat. Ah, ouais. Et tu leur as pas demandé à tes potes ce qui s'était passé. En tout cas, c'est sympa les potes, quoi. Merci les potes, sérieusement. Voilà. Comment vous dire, vous êtes adorables. Je sais pas, il y a un minimum pitié de moi, quoi. Je veux dire, à un moment donné... C'est quoi ces potes? J'espère que t'as changé de pote, quand même. Ou alors tu fais plus de soirée avec eux où il y a de l'alcool dedans, hein. Ça sert à rien. Hein. Clairement, hein. On a des potes comme ça. C'est que ça devait pas tourner rond aussi chez eux, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, salut! Tu veux qu'on se batte? Allô? Des loups! Oh putain! Aïe! Ah, l'enfoiré! Ah, c'est son truc de trompeuse. Mais tu vas mourir, oui! Bordel! Attends, mais... Oh, je suis en train de lire! Voyons, j'ai les commentaires, qu'est-ce qu'il y a? Mais pitié, quoi! Bordel! À un moment donné... Non, mais... tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu sois gêné, mais bon, ils doivent connaître le pourquoi du comment du parce que. Trouver Angrba et lui parler. La maison est masquée par la magie des Jotnar. Magie des Jotnar. Ok.
On va prendre le truc. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Trouve la maison. Ouais. Faut peut-être que je tue tous les yodnars qui sont dans le coin pour pouvoir avoir accès à la maison, peut-être. Je sais pas. I don't know. Oui, non, oui, c'est sûr. Mais bon. C'est pas une raison. Toi. Dans la tête. Dans la tête aussi. Enfin, dans le corps plutôt. Et toi aussi. Allez, tiens. Normalement, il est censé y avoir une maison qui est masquée par les Jotnar. Déploie tes ailes, Sinine. Le problème, ça doit être ici, je pense. La maison d'Anger Boda était ici à ma dernière visite. Elle y est peut-être encore. Cœur du bois. Ok. Alors, comment je fais pour démasquer la maison? Je ne sais pas. Je pense que ce serait là en fait, quand même. Ça a l'air d'être une maison en fait. Bon, alors là, il y a un arbre. Bon. C'est très. Très. Comment dire hein. Ah, je trouve pas le mot exact que je veux utiliser pour employer ce terme. Pour expliquer à quel point je suis subjuguée de voir. Déroutant. C'est le mot que je cherche. Ce let's play est très déroutant. Être à Jotunheim, c'est très. Très bizarre. Et aujourd'hui, t'as quel âge du coup si c'était il y a 10 ans? Enfin, quand t'avais 17 ans? Alors, la maison était dans le coin, soi-disant. Oh là là, je vois pas du tout ce que je dois faire. La maison est masquée. Ok. Ouais, 17-24, ouais. Ouais, c'est quand même, ouais, c'est pas trop trop loin non plus. Moi j'ai bientôt 30. Bientôt 30. Alors, la maison de la sorcière, ce serait ça. Bon, la maison elle est en haut, je pense, non? Là, oui, voilà. J'écoute ce qu'elle dit en fait. Voilà.
Je t'en prie, entre. Ah non, t'inquiète. De frapper ou de t'annoncer. C'est pas pour rien que... Hangar, Boda. C'est plus 18 ans, hein, ma chaîne. Et tu as eu le courage de venir sans escorte. Où est mon amant? Le renard noir qui se love sur ma couche. Hein? Ah, Loki. Nous sommes en mauvais termes. Il s'est fait de nombreux ennemis parmi les dieux. Mon petit Loki. Il faut le connaître pour l'apprécier. Enfin, le connaître un peu. Je ne suis pas là pour Loki. Je cherche à comprendre la magie des Jotnar. Savoir comment vous déplacer le Ougre d'un corps vers un autre. L'hydromel. Tu cherches l'hydromel. Oh oui, j'ai mis en plus 18, oui. Tu devrais être parti depuis longtemps. Alors je vais m'en aller. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, Hangar Boda. Avec le temps, tu te rangeras à mon avis. Qui était ta visiteuse? Elle est puissante et cruelle. Et ça ne te regarde pas. L'hydromel dont elle a parlé, où vais-je le trouver? Parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas pour les... Oublie ce que tu as entendu. Pour ceux qui N'essaie sont en dessous de 18. N'essaie pas de jouer avec moi, sorcière. Tout simplement. Tu es prête à tout vendre tant que le prix te convient. Encore faut-il avoir de quoi payer? Il existe une racine appelée griffe de chouette. Elle pousse au pied d'une cascade. Au bord de la forêt. Rapporte-moi 3 racines de l'endroit où on trouve de la mousse rouge. Ensuite, nous parlerons de l'hydromel. Okay. Je vais te prendre au mot. Trouver la cascade et y entrer. Pop, 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 pop. Alors, on a un coffre là dans le coin, je vais aller le chercher. Puisqu'il est pas loin du coup. Il est pas loin, il est où? En haut. En haut? Encore en haut? Oh là là, faut encore que je monte. Oh là là, faut que je monte encore tout là-haut. Il y a des bruits bizarres dans ce truc. Allez, monte. Allez, monte ou descends, mais fais quelque chose. Menhir, ce truc. Ah oui, non, franchement, c'est pas mal. Bah, c'est pour la protection des mineurs, hein, je pense, hein, de toute façon, puisque sur YouTube, c'était la même chose. Et comme il y a beaucoup de jeux avec du sang, du gore, de la peur et tout, pour protéger, disons, les mineurs, ou de tout autre jeu un peu, bah, un peu comme celui-ci, hein, comme Valhalla, où il peut y avoir des scènes un peu spécifiques, les plateformes de stream protègent le... Protège ce type de choses, descends, bordel! Alors, par contre, j'ai vu. Est-ce que. Ah oui, je vais peut-être monter par là, peut-être, ce sera plus simple. Enfin, personnellement, je préfère me dire que ma chaîne est au plus de 18 ans. Les gens ils viennent, ils savent à quoi s'en tenir, hein. Plutôt que de mettre une chaîne et au final avoir des enfants qui... Et après bah, me faire signaler parce que justement c'est pas correct. Oh, qu'est-ce qu'elle a la clé? Elle est où encore? Alors, lire, lecture. Ce que mes visiteurs peuvent crier quand je travaille sur eux. Des hurlements qu'aucune douleur physique ne pourrait causer. Si seulement je pouvais les réconforter, la brûlure purifie et nettoie, et il ne reste que la pureté. Quel supplice de se voir amputé de ses illusions, de connaître sa vie, sa vraie mesure, de se savoir misérable, insignifiant, sordide. La vérité est difficile à accepter, mais je vais les obliger à l'affronter. À la fin, tous la verront. Oui, c'est, bah après, c'est... Cyberpunk, j'y ai pas spécialement joué pour le moment. Après, je sais pas si j'y jouerai ou autre. Mais déjà, de souvenir, The Witcher était quand même assez coriace à ce niveau-là. Et comme c'est les mêmes réalisateurs, je me dis, voilà. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Je dois trouver normalement une clé de coffre. Mais. Il n'y a pas l'air d'avoir de clé de coffre. Ah, mais qu'est-ce que tu m'agaces quand tu fais ça? Vas-y, descends. Tu m'énerves, descends.
Descends. Voilà, c'est bon, t'es descendu. Oulala, que tu m'énerves. Tant pis, on trouvera la clé quelque part ailleurs. Ou pas. Ah punaise, elle est en haut. Tant pis. Allez, du coup, on va se tourner vers là-bas. Et puis, on va retourner vers la quête, du coup. Et donc, la maison? Oui, bah forcément, la maison, elle est cachée là-dedans. Je l'avais deviné dès le départ. Ça va de soi. Voyons. Ah ouais. Ok. Ouais, à ce point. Oh, c'est vrai que c'est poussé quand même. Hein. Thor me fait profiter de sa force. Ah bah c'est ça, alors qu'un de mes potes me parlait une fois. Genre tu peux vraiment faire les tailles que t'as envie et tout. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Personnaliser son personnage, ok. Le personnaliser à ce point là, c'est chaud quand même. Alors, la cascade devrait être près d'ici, mais je ne la vois pas. En cherchant, je trouverai peut-être le moyen de voir l'invisible. Il y a des bruits d'eau. Il faut écouter. J'ai l'impression d'être... Là, voilà. Cette contrée cache ses secrets. Et aucun ne me résiste. Bah, pour le moment, un peu quand même, hein. Là où pousse. Attends, parce que en même temps, quand même, je vais voir s'il n'y a pas de. Ok. C'est ça, sauf pour rassurer ceux qui sont complexés, comme tu dis. Et encore, enfin. Cette région est sauvage et regorge de merveilles. La mousse rouge. Donc je pense qu'elles doivent être par là les... Waouh. Non, je pense pas que la racine ne pousse que près de la mousse rouge. Donc la mousse rouge étant là... La racine du coup elle doit... Obligatoirement pousser par là je pense. Après, il y a pas mal de choses, hein, si on parle de ça. T'as beaucoup de complexes et tout, au final, et enfin... Les célébrités, hein, par exemple, tout bêtement, hein, les célébrités qui se maquillent et tout, quand tu les vois... On dit qu'il en est de même pour elles. Quand elles sont démaquillées, voilà, enfin, après, à un moment donné... La supercherie... Ah ! Mais du coup, la mousse rouge, elle est là, mais il n'y a rien. Et si je reçois... Ah, peut-être que c'est plus loin. C'est possible, hein. Oh là là. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Mais la mousse rouge, mais après, là où il y avait... Oh là là. Là où il y avait la mousse rouge, il n'y avait rien du tout. Je vais me perdre. Tu sens que je vais me perdre? Ah, la mousse rouge. L'air a une odeur étrange par ici. Waouh, c'est sombre. Ce doit être la griffe de chouette dont a parlé Enger Boda. Interagir. C'est de la mandragore, en vrai. Acre. Il devrait y en avoir d'autres près d'ici. Ok. Eh ben, on va voir ça tout de suite, hein, de toute façon. De toute façon, j'ai pas trop de quêtes dans le coin. Donc ça va, à peu près. C'est super beau par contre. Le jeu là, il est super beau. J'aime beaucoup. Je vais pas redescendre tout de suite. Pas remonter non plus. Je pense que là, ça va me faire sortir. Ouais, là ça va me faire sortir. Donc c'est par là que je devrais aller. Arrête de t'énerver.
Tu vas les avoir, tes racines. T'inquiète donc pas. T'inquiète donc pas, tu vas les avoir, tes racines. Patiente deux secondes, tu vas les avoir. Ah oui, on a tous nos complexes. Avouables ou inavouables. Faut juste être fier de ce qu'on est et c'est suffisant. Ça sert à rien d'aller chercher à être plus beau que ce qu'on est, entre guillemets. Une racine supplémentaire devrait suffire. Il y a un minimum, tu vois, mais après... Après, je trouve qu'il y a... une odeur étrange par ici. Après, je trouve qu'il y a des extrêmes. Franchement. Mais descends, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez. Là, là. Et ben là c'est même plus acre du coup. Voilà, on a l'autre. Cela suffira, Inger Boda. Il faut que je ressorte. Ouais, si tu arrives. Inger Boda. Inger Boda. Heureusement qu'il n'y a pas de... de... Allez, mais monte. Pourquoi tu montes pas, bordel de crotte de bica? Alors... Ah oui, c'est sûr. 2m5, c'est grand quand même. Enfin, le quand même, il est mal placé, mais je m'exprime mal. C'est vachement grand quand même, 2 mètres. Après... Voilà, hein, c'est pas parce que tu fais plusieurs centimètres de plus que la moyenne que t'es pas pour autant intelligent ou une bonne personne. Hein, donc, ou c'est pas pour autant que t'es nain et que t'es une mauvaise personne. Hein, voilà, hein, chacun il est comme il est et puis on fait avec. C'est tout. Après, oui, c'est sûr. C'est sûr que en mesurant... L'odeur de cette racine me retourne l'estomac. Attends, je vais récupérer ce qu'il y a là aussi. Comme ça, c'est fait. En mesurant autant, je pense aussi il y a la pointure des pieds qui va avec, forcément. Donc il est possible que tu trouves pas la pointure de pied que tu as d'habitude. Enfin... Voilà, il y a tout qui est difficile, hein, même quand t'es un peu plus fort que la moyenne. Forcément, il y a des choses qui changent. Lettre à une fugitive, Shane Wilt. Si tu parviens jusqu'ici, sache que je t'ai laissé un petit quelque chose pour payer ton passage vers Asgard. Je prie pour que tu réussisses et que je réussisse moi aussi. La liberté ou la mort. Les clés du coffre sont cachées près d'ici. Tu auras besoin de deux pour l'ouvrir. Ils ont entièrement fouillé cet endroit, mais ces Jotnars sont tellement grands qu'ils ne pensent jamais à regarder en l'air. J'espère que nous nous retrouverons de l'autre côté. Gwendolyn. Gwendolyn. Bah là, il y a un truc en haut, du coup. J'ai vu. Ah, bah non, c'est pas en haut. C'est en haut, en bas, en fait. Ouais, bah oui, forcément. En plus, ces gens-là, ils manquent de tact, généralement, donc forcément... Aou, j'ai mal. Alors, comment je fais pour rentrer là? Il y a un truc à péter dans le coin là. Faut-il que je mette le feu peut-être? Ou pas? Je sais pas. I don't know. Et du coup, l'autre pierre, elle serait. Enfin, l'autre truc. Ouais, forcément, après, c'est... C'est de la marque, quoi. T'es obligé de prendre dans la marque pour avoir ta taille de chaussure. Ouh, coffre au trésor. Coffre au trésor. Ah bah oui, forcément, il faut la clé pour le trésor. Forcément. Voyons, Kira. Utilises-tu ta cervelle de temps en temps? Ou pas?
déplacé. Pourquoi j'aurais déplacé? Ridicule. C'est un ridicule, j'ai pu passer. Donc, voilà. Par là, qu'est-ce qu'on a? Ok, on n'a pas grand-chose. Là, j'ai une clé. Et l'autre clé, elle est... elle est où? Ok. La clé, elle est dans les airs. Ou alors, c'est le truc que j'ai pété. C'est possible. Ah oui, là. Ok, donc ça, c'est bon. On a la deuxième clé. Par contre... Si, il y a un truc pour passer, là. Juste là. Ah! Bien, j'avais pas vu. Elle vu, j'avais pas vu. Ok. Attends, on va essayer de monter plutôt par là. Je pense que ce sera plus simple. Ouais, c'est ça. Ah, après, on a... Voilà, c'est... Moi, c'est pareil, hein. Mon plus grand complexe, c'est ma forte poitrine. Hein. T'en as beaucoup des films, des mecs aussi qui disent « Ah, mais t'as de la chance, machin, et tout. Moi, c'est ma copine, ou moi, si j'avais ça, tu peux m'en donner. » Sauf que ces personnes-là ne se rendent pas forcément compte, pour certains, que, ben... Ça fait mal au dos, quoi. Ça fait mal au dos, et que ma santé, ben... Elle en pâtit, malheureusement, par rapport à ça. Voilà, après c'est aussi une histoire de... Attends, il est en dessous, hein, il est là. Ah, faut tout revoir, quoi. Et le dos, forcément t'as une mauvaise posture. Quand tu vas voir le docteur, ben, la posture elle va être liée. Il y a un sanglier en face, il faut que j'évite de me faire attraper. Enfin voilà quoi, il y a quand même pas mal de choses qui font que... Que. Alors, on va monter. On va essayer de monter, tiens. Bon, même. Ah, mais je peux pas monter par là. Comment ça? C'est quoi ce bordel? Bah, il veut pas que je monte par là. Ah, par exemple, moi, pour me faire opérer, pour du coup réduire un petit peu pour que ce soit meilleur pour ma santé, c'est quand même 1000 euros à mettre, quoi. Et encore, il y a la sécu qui met aussi, quoi. Donc, forcément... 1000 euros, faut les dépenser. T'as un peu envie de faire autre chose avec 1000 euros, quoi. Un peu beaucoup même. Avis officiel, méfiez-vous des peaux claires, il y a des espions, des hésirs partout et ils se déplacent sans faire de bruit. Tuez-les à vue si vous en voyez, rendez compte à votre seigneur. Alors... Faut que je fasse gaffe de pas me faire repérer par les hésirs aussi. Parce que moi j'y vais en mode... Comme ça là, discrétion zéro. Au zéro discrétion ou quoi? Regarde, y'en a là. Ouh là là! Oh putain. Faut pas qu'il me voie. Il m'a pas vu. Mais. C'est ça. Pof. Oh punaise. Tiens, mange-toi ça. Voilà. Et l'autre, il ne verra pas normalement, ça va. Du coup, je peux remonter. Oh
Ouais, non, mais après, voilà, c'est... Faut malheureusement faire avec les gens qui t'envient. Alors qu'il n'y a rien à envier. Les gens ne se regardent pas assez dans la glace pour voir à quel point ils sont exceptionnels. Qu'est-ce qui s'est passé? Cœur du bois. Ok. Là, par contre, il faut que je mette tout de suite ma... Voilà. Pour récupérer la clé, parce que je vais la récupérer, la clé. Elle est dans cette baraque. Elle est là, la clé. Voilà. Et voilà. Non, je peux pas passer par là. Par là. Wouh! Ah, il y a un truc là. Oh, attention, il y a peut-être quelque chose. Oui, il y a le coffre. Voyons, je viens d'y passer. Ils ont réparé la porte. Ah bah après, hein. Ça, j'avais lu. J'imagine bien. Alors, il faut qu'on rapporte les racines du coup. Ah, ah oui, elle est en dessous. Du coup. J'imagine bien, j'imagine bien. Ok, donc tout à l'heure c'était ouvert, maintenant c'est fermé. D'accord. Ok. C'est parce qu'elle prévoit des trucs. J'ai fait ce que tu as demandé. Maintenant, où est mon savoir? Laisse-lui le temps d'infuser. Laisse-lui le temps d'infuser. Voilà. Un élixir pour te préparer l'esprit. Eh ben, c'était du rapide. Comment cela m'apportera-t-il l'hydromel? Cela ouvrira ton esprit aux secrets du monde. En attendant, parlons d'Asgard. Comment se portent vos défenses depuis la dernière attaque? C'est un truc de vérité. Pourquoi demandes-tu ça? Nous avons été affaiblis par traîtrise. Si nous n'avons pas le temps de rebâtir, nous risquons de succomber à une nouvelle attaque. Non, je ne voulais pas dire ça. Je me sens étrange. La griffe de chouette est parfaite pour délier les langues. Bien. Tu as dit que tu voulais l'hydromel. Mais à quel point? Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue? Ta main, ta vue. Je donnerai une crampe quand tu dors. Volontiers tout cela. Et plus encore. J'aimerais bien voir ça. Oh? Loki, quel est ce tour? J'ai sapé tes forces, Javi. Et si tes réponses me déplaisent, je te prendrai la vie. Tu pensais que je te laisserais en paix après ce que tu as fait à mon fils? Notre fils. Fenrir. Un nom que tu as déjà entendu, je crois. Ah oui, le loup. Attends, je lis. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Bah, c'est le fait de pouvoir parler aussi. Hein. Les lives, tu viens regarder, mais tu viens aussi parler. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais. Oui. Lors du dernier combat, le loup Fenrir aura raison de moi. Maintenant que tu sais, et que tu ne peux plus me tromper, dis-moi, que comptes-tu faire de lui? Ah ben voilà. Je veux sa mort. Mais c'est en vain. Je t'ai juré quelque chose, Loki. Et je ne briserai pas ce serment. Je ne le tuerai pas.
Fenrir demeurera prisonnier jusqu'au jour de la prophétie, où nous nous affronterons sur le champ de bataille, comme le veut le destin. Alors, nous t'entraverons jusqu'à ce jour, comme tu entends entraver notre fils. Œil pour œil. Dent pour dent. Et ben, je sais pas si c'est une position agréable. Je vois qu'elle t'a laissé en vie. Tu as dû faire quelque chose de bien. Laisse-moi t'aider à descendre de là. Je vais, je glisse. Oui, c'est de la glissade. De la bonne glissade. J'aurais pu me faire descendre doucement. Oui, si je m'étais soucié de ton confort. Alors pourquoi m'avoir fait descendre? Pour la même raison que ta présence au Jotunheim. Tu cherches l'hydromel, et je peux t'aider à le trouver. J'imagine que cela aura un prix. Je veux simplement y goûter. Le reste sera pour toi. Ça te va? Ai-je vraiment le choix? Bien sûr que non. Sutungr et sa fille Gunlod gardent l'hydromel dans les réserves de leur maison, en Utgard. Ok. Elle ne s'ouvre qu'à l'occasion de grands festins, lorsque Sutungr partage le contenu de son cellier. Et il ferait un bien mauvais hôte s'il n'offrait pas une fête à une personne de renom, telle que Avi d'Asgard. Tu es moins bête que je ne l'aurais cru. Pourquoi t'intéresses? Pourquoi veux-tu l'hydromel? Mes raisons ne te regardent en rien, comme je me moque des tiennes. Il te suffit de te le procurer. Je dois apporter un cadeau de valeur à Sutungr afin de recevoir un bon accueil. Cet idiot d'ivrogne d'Egir a récemment perdu son chaudron en pariant contre Sutungr, mais il a disparu sur le chemin d'Utgard. Sutungr serait en effet reconnaissant si je lui rapportais ce chaudron. Cherche l'arbre entaillé par les écailles du serpent monde. Le chaudron sera passé par là. Ok. Tu pourrais aussi apporter un présent à Gunlod. Il existe des trésors susceptibles de lui plaire chez Tymir, au bord du lac, près d'Utgard. Je vais garder cela en tête. Lorsque tu auras l'hydromel, rejoins-moi au puits de Mimir. Je te montrerai comment échapper à ton destin lors du Ragnarok. D'accord. Que faire ? Le chaudron maintenant, me rendre à la halle de Trimir. Eh ben, il y a beaucoup de questions qui se posent dans la tête. Hein. Oula! Telle autre, elle m'a mise ici en fait. Du coup, il y a la quête là. Il faut trouver un cadeau pour Gunlod. Et il faut trouver le chaudron des Gyr. Du coup, je peux faire les deux, non? Bon, bah, ben, on va aller en direction du chat. Et puis après on va aller faire ça et puis ça aussi. Comme ça on ira faire la quête du chaudron. Là là. Faut que je monte sur le grand arbre, voilà. Eh ben dis donc. Ah bah il y a quelques similitudes, c'est sûr. Mais non! Vous avez pas pu me voir, comment vous avez fait pour me voir? C'est pas possible! Voilà! Non mais... Alors, maintenant montons l'arbre qu'il y a au-dessus... Ah, il y a quoi qui est écrit là? Avis officiel, méfiez-vous des peaux claires, il y a des espions, machin, machin... Ok, donc il y en a un peu partout... Ici, truc là comme ça. Arbre du serpent.
Oh, qui dit arbre de serpent veut dire qu'il va y avoir des serpents. La configuration logique. Voici l'arbre dont a parlé Hiroki. Les corps sont taillés par les écailles de Yormung. Je ferai bien de chercher le jour où on disparaît. Oh. Mais je peux monter dessus? Bah ouais, on dirait. Alors. Je sens mes forces revenir. Oh là là, je vais avoir le vertige en montant tout ça là. Ah ouais, à ce point. Après, je pense plus que c'est en fonction de ta génétique que de là où tu viens, on va dire. Allez, monte. Oh. Et du coup, si je... Attends, il y a un truc à lire. Ouh là là. C'est très haut ici. Il ne faut pas avoir peur. J'ai regardé les maîtres changer de forme, se transformer en bête. Ne seront-ils pas étonnés en voyant ce que je peux faire? Ne seront-ils pas heureux de voir que je suis comme eux? J'ai appris les formules secrètes. Il me suffit maintenant d'y croire. Les mots vont me donner des ailes. Je retournerai auprès de mes maîtres en volant comme un oiseau. Il est temps d'arrêter d'écrire et de le faire. Mais c'est quand même très très haut. Et bah oui, c'est haut vachement quand même. Ah! Ouais, j'ai pas totalement trop envie d'en parler comme ça sur le live. Du coup, je en parlerai autrement puisque c'est quand même. Après, je te propose, je peux te proposer de rejoindre le Discord, ce sera beaucoup plus simple pour en parler. Alors, j'aime bien parce que quand tu prends le truc, c'est des puissances suggérées 120, mais bon, heureusement, je suis 190 quoi, parce que sinon, j'aurais pas vraiment pu faire certaines choses. Allez, on saute. Oui. Hop. Alors, la quête du coup, le chaudron, il serait par là-bas. Wow. Le chaudron a été vu en dernier près de l'arbre de Yormunkantr. C'est quoi la bête qui va nous montrer? Je te jure, il va y avoir une de ces bêtes. Bah du coup, t'as le lien Discord normalement sur ma biographie. Tu dois avoir un lien sur Twitch pour aller sur le Discord. Les fers se sont affrontés ici, mais les Jotnars ne laissent pas de cadavres. Ah ouais, non, les Jotnars. Qui est devenu le chaudron? Qui est devenu le chaudron? Qui est devenu le chaudron? Examinons. Ce chariot porte l'emblème des Gir. Aïe aïe aïe, je vais pas aimer ce qu'on va voir. Ils se tournent vers la terre quand ils meurent, vers le sol dont ils sont sortis. Ah, et du coup c'est l'arbre. C'est l'arbre. Quelque chose a cassé l'arbre. Enfin, je sais pas, non? Oui, donc forcément, il monte l'arbre. Examiner. On a traîné ici un objet énorme. Non, on peut en parler dans un salon ou en privé, c'est pas un souci, mais ce sera après le live du coup. Pour qu'une des roues du chariot se brise. C'était une embuscade. Ouais, forcément, c'était une embuscade. Si c'est le chaudron des Gir qu'on a traîné par ici, il doit être très grand. Donc, le chaudron. Les voleurs ont laissé derrière eux un chemin de destruction.
Mais c'est pas trop chaudron, ça. Il y a une bête, tu vas voir, je vais me taper un mob. Laisse tomber le mob que je vais me taper, tu vas voir. Ça va être monstrueux. La piste des destructions mène à cette racine géante. C'est tout ? Oh ! Examiner. Ils ont abattu cet animal pour ses entrailles, qu'ils ont utilisées lors de leur rite. Les voleurs ont dû employer cette magie pour cacher leur butin. C'est quoi ce truc ? La moufle du grand Yotun Skrimir, abandonnée il y a longtemps. Les voleurs ont peut-être déposé leur butin à l'intérieur. Oulala ! C'est vachement blanc. Et rouge. Très rouge. De la mousse un peu partout. Difficile d'imaginer que cela protégeait une main. Ok. Ah, c'est pas autant que je veux qu'on arrête ce sujet. Disons que c'est quand même quelque chose de très intime. Quelque part, et j'ai pas spécialement envie de... de trop dire, et après voilà des choses qu'il faut garder pour soi des fois. Après ça me dérange pas d'en parler, mais tu vois, en privé, parce que c'est vrai que oula, ouais, 1, 2, 3, ça ne me dérange pas d'en parler en privé, quoi, mais pas, il y a des trucs je préfère pas trop en parler sur les lives et tout non plus. Ça peut être déformé, disons. Ok, alors par contre, faut qu'on trouve le chaudron. Oh là là, il y a plein de viande partout là. Pas de viande. Façon de parler. C'est de la viande. En fait, c'est bien de la viande. Ah, on peut passer par là. Eh mais tu passes ou quoi? Voilà, merci. Par contre, j'ai vu, il y a des trucs aussi dans le coin. Ah ouais, d'accord. Je suis là alors que je devais aller là-haut, quoi. Voilà le truc. Ça marche. Pas de soucis. Après, j'espère que je vais pas te spoiler, hein. Bon, après, le gameplay, il est un peu fait pour ça, mais c'est vrai que... Voilà, je veux pas non plus te spoiler. Alors. Sachez que le chaudron que nous vous avons apporté est celui de notre père Ymir. Ce fanfaron de Thor l'a tué en mer et a volé le chaudron dans sa halle. Ensuite, il l'a donné au traître Egir afin qu'il puisse offrir une grande fête aux Aesir. Egir a très longtemps diverti l'ennemi dans notre contrée, s'amusant alors que notre père reposait dans le froid de l'océan. Mais nous avons longtemps attendu le bon moment et il est enfin venu. Cet idiot d'Egir a misé le chaudron de notre père lors d'un pari, et nous, ses fils, nous nous en sommes emparés. Alors buvez et levez vos cornes à notre père, buvez aujourd'hui à sa mémoire. Scroll. Oh, attention. Attention, il y a des mobs partout. Mais en silence. Il y a un truc là-bas. Ok, ouais, je vois. Ah, j'aurais pas dû faire ça.
Par contre, il va être hyper chiant à voir. Non, je veux pas que tu me suives. Tu arrives? Pas qu'il me voit, pas qu'il me voit, pas qu'il me voit! Ah, t'es. T'es un peu comme moi. Il y a des trucs, je peux les regarder. Quand j'y jouerai, je m'en souviendrai pas quoi. À part vraiment sur le moment, vite fait. Mais. Il doit y avoir un moyen d'atteindre quoi? Le chaudron! Oh là là! Mais c'est qu'il est grand! Le chaudron. Porte verrouillée. Faut trouver la clé. Et la clé, elle est... Eh ben la clé, elle est je sais pas où. Voilà. Là-haut. Voilà, elle est en haut. Ok, nickel. Et bon, on va aller en haut alors s'il faut qu'on aille en haut. Il n'y a pas de problème. Hein, on va aller en haut. Alors, il y en a un qui dort. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que sinon, ils peuvent me repérer. Non ! Tu m'as pas vu ! C'est faux ! Tu ne m'as pas entendu ! Non plus ! Je récupère juste la clé, je m'en vais. Oh ! Une brochette ! Ah, raté. Dommage qu'on puisse pas faire une brochette. Pouk. Voilà. Ouais. Il y a du cochon partout. Ouais, enfin, quand même, quoi. Quand même, immense, son chaudron. Allez, Luciole, elle me parle. Le chaudron a rétréci. Je commence à m'habituer à toutes ces illusions. Le genre ça, c'est le chaudron. Arrête. Ce chaudron devrait suffire à gagner les faveurs de ce tour. Je pourrais dès maintenant rejoindre Utgard, mais un présent pour Woodlod augmenterait mes chances de me procurer l'hydromel. Ouh. Ouh là là, on m'a repéré. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux me battre? Tu sors. Chut, tais-toi. Mais là donc en veilleuse, voyons. Oh, il y a un mob. Qui arrive. Attends, parce que j'ai vu un truc. Voilà, et mince, je crois que j'y suis au petit. Et ouais, c'était là-haut qu'il fallait que j'aille. Bon, bah, on sait ce qu'il nous reste à faire du coup. Il faut remonter par là. On traverse. On monte l'escalier. On monte l'échelle. Plutôt. Voilà. Ah, mais c'est celui que j'ai tué juste avant là, du coup. Ok. Ok. Je suis prête à le tuer lui. Voilà, y'a plus. Allez, salut. Non mais.
Et du coup, à 50 mètres, moins de 50 mètres, ça va, à 40 mètres plutôt. Si on arrive à retrouver, il y a un coffre. Ok. Mais monte. Mais monte. Allez, descends. Oh, t'es chiant quand tu suis. Ça y est, je suis coincé. Il veut plus monter, il veut plus rien faire, il est chiant. Ah, je peux pas monter. C'est pas cool ça, hein, vraiment. Ok, faut que j'utilise ça du coup, je pense. Si j'utilise ça là, je vais pouvoir monter du coup sur le truc, à peu près. Yes. Wouhou! Et voilà! Voilà. La porte que j'avais vue, elle était où? C'était celle-là, non? C'était pas cette porte-ci? Si. Pour repartir. Ah, du coup, j'ai bien fait d'aller dans cet endroit-là. Parce que moi, je suis... Eh! Eh, hey, t'as vu ça? Et là quand tu te retournes... Ah, c'est magique! Donc, en fait, il faut qu'on se mette à proximité du truc... comment on appelle ça là? Le truc là. Avec des cornes. Voilà. Le truc avec des cornes. C'est mieux. C'est plus français. On va dire ça comme ça. Hop, je vais juste recharger la live. Voilà. On avance, on avance, on avance, on avance, on continue à avancer. Ça fait hyper mal aux yeux. Le tout blanc comme ça là. Ok. Alors du coup. Où est-ce qu'on est? On va remonter, faire ça si on peut et faire ça aussi. Comme ça on l'aura fait. Après donc soit on a le cadeau pour Gunlod et soit il faut accéder à l'hydromel. Ok. Et du coup au final on arrive là. Et ça c'était une main. Une moufle. Ah ça va, j'ai cru que j'allais tomber sur un gros truc en fait, mais non finalement ça va, c'était pas non plus grand. Énormissime. Eh bah dis donc, dans Yotunheim, moi je te dis, il y a des trucs. Par contre, je vais récupérer les compétences. Parce que sinon, à chaque fois, je vais les zapper. Alors, les compétences, les compétences, les compétences. Doubler l'arme. Il est possible de combattre avec deux armes lourdes à la fois. Ceci modifie les stats et le maniement de chaque arme. Oh, intéressant. On va mettre ça aussi, l'étourdissement. Oh, c'est le passage à un nouveau monde. Résistance aux attaques puissantes. Et là c'est quoi ça? Dégâts critiques. Ok. Ok. Non, tu m'as pas vu. Chut. Tu ne sais pas qui je suis. Chut. Ouh, une route. Parce que oui, il existe des routes. Oh, il y a un truc là. Ouh là là. Ouh là là. Il y a... Alors par contre, s'il y a des trucs dans le coin, il faut juste qu'on trouve où est-ce qu'il y a des... Ah, des comment ça s'appelle? Aidez-moi! 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 Des trucs pour péter les trucs. Genre. Ouais, il doit y avoir là-bas. Des pots d'huile pour péter les trucs et tout. Je pense qu'il doit y en avoir un dans le coin. De toute façon, c'est obligé qu'il y en ait un dans le coin, mais où? Je ne sais point.
Alors non, c'est pas là. Il y avait pas un truc là? À l'instant? Waouh! Un verger. Ces terres glacées. Même les saisons mentent dans ce lieu maudit. Ah ben voilà! Pikachu! Ouais, donc on devrait trouver des trucs, je pense, par là. Waouh! Il est trop beau le verger. J'adore. C'est beau. C'est vraiment très très beau tout ça. Et là il y a une porte en plus. Ah ouais là, ok. En fait les trucs ils sont là. Ok. Et là, il n'y a pas de porte. J'adore, c'est trop bien. Pas de soucis, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouh là là. Ouh, t'es libre de faire ce que tu veux. Ah non, ah, faut pas s'excuser. Hein. C'est pas grave. On a toutes les occupations. Alors après, je vais juste te poser une question, après que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait, peu m'importe. Comment dire voilà, c'est le but de la question en fait, c'est de savoir si tu t'es est-ce que tu m'as follow sur Twitch? Parce qu'en fait, je voulais voir si sur la PS4, en fait, ça s'affichait le fait d'avoir quelqu'un qui s'abonne ou pas, comme ce que j'avais programmé sur Streamlabs OBS. Mais oh putain. Oh putain, du 400. Salut. Non, 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 tu m'oublies, je suis pas là. Salut, petit ours. 400, oh là là. Non, merci, ça ira. Non, non, je suis pas folle à ce point non plus. Oh, y a pas de souci. Ouais, donc en fait, quand je suis sur PC, ça fonctionne. Mais quand je suis sur PS4, forcément, ça ne fonctionne pas. C'est dommage ça. Mais en tout cas, ouais, généralement j'ai des petits trucs qui disent oui, un nouvel abonné, enfin un nouveau follower, parce que du coup c'est follower. Donc voilà. Non, je voulais juste savoir ça. Voilà. Parce que moi j'aime bien interagir et dire merci, tu vois aussi. Donc forcément, ce qui est dommage, c'est quand t'es sur PS4, tu le vois pas forcément. Ou alors faudrait que je regarde vraiment comment cela se fait. Oh la neige, elle est trop bien la neige. Ah, mais je pense, en fait, l'ours... Ouh, c'est quoi ce truc? L'ours, il doit avoir une espèce de grotte. L'ours à 400, là, il aurait ça. C'est qu'il a une grotte et du coup, il y a le coffre qui est dedans. Le problème, c'est que si je vais tester d'aller choper la récompense... je vais me faire tuer parce qu'il est quand même level 400, moi je suis level juste 200. Donc autant dire que je vais pas le tuer. Et quand généralement ils sont dans mon level, je mets 4 plombs à les tuer. Donc là, on va pas essayer. Où est-ce qu'on essaie de rentrer dans le truc? Oh. Oh. Peut-être que... Oui, dans la grotte, regarde là, la grotte. Voilà, on rentre dedans. Ça a l'air d'aller. Ah non, je pensais qu'on n'aurait pas pu rentrer. Oh, ah bon? Tu crois pas souvent des gens sympas? Non, moi j'essaie d'être le plus naturel possible. Enfin, je suis naturel. J'essaie d'être le plus naturel possible et puis après, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Après, j'en fais pas une maladie. Voilà. Ah non, 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 non. Non, non.
Je me suis dit aussi en disant cette phrase que t'allais t'imaginer les trucs. Non, 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 non. Non, non. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, ben, c'est que je vais quand même aller là. J'ai envie d'aller ici. Pour donner le truc. Donc, je vais récupérer la ressource là. Et je vais aller ici. Ok, c'est parti. On y va. La plus proche est celle qui est à 510 mètres, donc là-bas. Allez, on court. On contourne le monstre. Le monstre horrible de la grotte. Il va falloir que je pense à un moment donné à les faire quand même. Même les autres là, les fines, les rions. Hein. Il faut que je les fasse aussi. Oh, il y a des renards partout. Comme c'est trop beau la neige. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes? Bien sûr. Il y a un truc avec ça, c'est sûr. Il doit y avoir un sort ou je sais pas quoi. Une illusion encore. Forcément. Ah bah oui. Oui, oui, forcément. J'ai les pieds remplis de neige tout partout. C'est horrible. J'aimerais bien qu'il neige cette année. Ah, tristesse. Allez. Trouver la maison de Trimmer. Trimmer. Il va y avoir encore des trucs ici. Tu vas voir. Alors après, il faut que j'y monte. Maintenant. Ah ah. Il y a un truc. Moi, je sens qu'il y a un truc avec ça. Je sens qu'il faut que j'allume les torches, par exemple. Les trucs. Tu vois, par exemple. C'est une bonne un bon exemple. Genre là, maintenant, je monte et j'allume ça. Je sens que c'est un rapport. Ou pas. Oui, bah après, la maison de Trimir, elle est pas loin. Elle est loin, enfin, elle est pas... Regarde, là, il y a des trucs. Tada ! Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Il y a un truc là. Je sens qu'il y a un truc. Je sais pas où, mais il y a un truc. Ou alors en dessous? Où est-ce que je pourrais monter là? Non, je peux pas monter par là. Ah, là. Monte. Monte, monte, monte. C'est quoi ce bruit? Quel est ce bruit? Étrange que j'ai entendu. Trouvez la clé! La clé ne doit pas être loin. Ouais, il y a un truc, c'est obligé. Il y a des trucs que tu penses pas en parler, hein, finalement. Et au final, quand t'en parles, ça te rappelle des trucs. Allez. Cassé. Ah. Cassé. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, serpent! Ouh, qui petit serpent! Tiens, mon chausson! Salut! Espèce de serpent de taille. Qu'est-ce qui a changé? Ah, intéressant! Ouh là, la clé! Donc la clé, elle est en face. Ok. Et donc. Ouah, et franchement, ça me donne mal à la tête tout ça, moi, de faire ça.
Là où aucune autre n'était auparavant. Non, 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 je vais pas aller voir le truc de charisme là, c'est pas la peine, tu vas voir. Je sens que ça va me la faire à l'envers encore. Ah. Peut-être que. En montant. Allez, monte! Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, passage par là. Est toujours utilisé, on dirait. Ma chérie, aujourd'hui encore, tu n'es pas venue. Je t'ai imploré encore et encore, mais je sais maintenant que tu ne le quitteras jamais. Il ne reste qu'une chose à faire. Peut-être que cela me fera perdre ton amour, mais je vais tuer ton mari aujourd'hui, si j'y parviens. Quoi que tu puisses penser de moi par la suite, je ne laisserai jamais... je ne laisserai plus te faire de mal, Scammy. Ok. Récupérer la clé. Voilà. Là, comme ça j'ai plus besoin de revenir. Normalement j'ai plus besoin de revenir hein. À part pour le truc de charismatique de l'autre côté là, mais sinon j'ai plus besoin de revenir. Wouh. Et là, plus de tour. Pouf. Disparu. Ah c'est non, toujours là. Elle a disparu. Elle a disparu la tour. Elle a disparu. Elle a disparitionné. La tour. Oh. C'est de la triche. Oh putain. Oh punaise. D'accord. Et lui il est là. Oui. Un écureuil. Un écureuil. Regardez qui voilà. Nul autre que notre très sage. Ah oui, 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 c'est, ouais. Ratatosk, le rat des arbres. Quel message portes-tu aujourd'hui? On vient de m'en confier un ce matin. Il dit ceci. Ratatosk est l'écureuil qui va filer sur le grand frêne Yggdrasil. Et très sage va se faire écraser sous ma joute si habile. Qu'en dis-tu, très sage? Je vais t'affronter. J'accepte de t'affronter, écureuil. Quand tu veux. Bien. Alors, bien. Commençons. Je suis né messager. Et j'ai ici un mot venu de très haut. Tu seras vaincu par mon esprit rusé. Et moi qui aime Et moi combattre. Qui aime combattre, je me moque de la mort. Ha, tu n'as aucun talent. On m'appelle Foreur pour ma façon de mordre de cet arbre monde, l'écorce. Je suis aussi langue tranchante pour mes mots vifs. Repose ta langue. Repose ta langue, elle se fera une entorse. Je me délecte de ton échec. J'ai perdu. J'aime la rumeur, mais voici la vérité. Écoute ce que j'ai à dire. Tu es vanité et piètre divinité. Et moi, je te conseille et de partir. Et moi, je te conseille de partir. Affre, horrible. Je savais que tu ne pourrais pas me battre. Vive le père des écureuils. En fait, il faut que je fasse attention à ce qu'elle dit. Revoilà notre très sage. Tu veux m'affronter de nouveau? De sa rime d'abord. Cette fois, je suis prêt. Alors, commençons. Je suis né messager et j'ai ici un mot venu de très haut. Et tu seras vaincu par mon esprit rusé. Et io. Et. Mais tu n'es pas assez fino. N'es pas assez fino. On m'appelle Foreur pour ma façon de mordre de cet arbre monde, l'écorce. Je suis aussi langue tranchante pour mes mots vifs. Voilà. Ne peuvent vaincre ma force. Pas mal pour ton grand âge. J'aime la rumeur, mais voici la vérité. Et écoute ce que j'ai à dire. Tu es vanité et piètre divinité. Heure et ir et. Heure et ir et.
J'ai envie de t'estourbir. J'ai envie de t'estourbir. C'était presque bien. Ratatos, quel écureuil qui va filer sur le grand frêne Yggdrasil. S'il s'est bien battu et a fait de son mieux, j'en ai vaincu le Babil. Ah, tu as montré plus de talent que je ne croyais. Maintenant, pars avant que je te morde. Ah, 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 ah. Petit écureuil. Wouh! Ok, bon, ça c'est fait, c'est réglé. Elle est trop mignonne, la petite écureuil. C'est ça que la photo elle veut dire. Ratatosk. Ratatosk. Du coup, on a un mystère. Là. Wouh! On a un mystère là, donc ça va être encore un truc à la. Ouais, je vois le. Je vois le truc avec les cornes là derrière le rocher. Maison de tir. La maison de Trimir se trouvait ici avant que la ruine ne s'abatte. Ah non, je suis coincé. C'en est fini de moi. Trouver Soungourde et lui parler. Soutongre, plutôt. Il doit être bloqué depuis l'autre côté. Il faut trouver les trucs qui permettent. Oula. Le maléfice. De rompre le charme. Ah, il y a des loups aussi en plus. Il y a des loups, il y a des trucs partout. Trouver la maison de Titimir. Ok. Que vois-tu, Sinine? Ouais, donc c'est par là-bas de toute façon. Donc c'est par là que je vais de toute façon. Na. Oh, c'est un truc dans l'eau. Je suppose. Il va mourir, il s'est empoisonné. Eh, hey, tu te calmes le truc hein. Je vais te tuer. Calme, j'ai dit. Il a plus de tête. On est d'accord qu'il parle d'un. Voilà, tiens. Voilà. Bon. Donc, la maison était par là. Donc, forcément, elle est dans l'eau. Et oui. Parce que ça paraît logique. Voyez-vous ? Wow. On respire, on plonge. Là. Pouf. Loki parle souvent du vol du marteau de Thor par Trimir. Apparemment, sa description de la fureur de Thor n'était pas exagérée. Ah, il y a un coffre dans le. Bah oui, c'est le coffre là. Kira, voyons. Est-ce que tu réfléchis deux secondes? Tu vas voir, c'est un truc avec un. Un truc, non? Mais oui, bien sûr, il faut trouver la clé. Qui est en haut, forcément. La clé qui est juste à côté. Ah, parce que voilà. Oula. Mais là, c'est de là où je viens, du coup. Ouais.
chercher un cadeau. Ouais, alors attends, je vais chercher un cadeau. Peut-être qu'il y a un cadeau juste là. C'est pas de là que je viens ? Je sais plus. Voilà, j'ai trouvé un cadeau. Ah, la couronne nuptiale de Thor. Ce serait un présent digne de Gunlod. Ok. Un présent du passé, et c'est là en fait qu'était la... Ok. Donc du coup... Bah c'est cool, on avance bien, moi par ce truc bleu là qu'il va falloir faire plus tard du coup, mais ça va, on avance bien. Alors du coup là c'est l'espèce de, bah oui, Utgard forcément, donc il faut accéder à l'hydromel. Donc on va aller faire ça, je pense qu'on va devoir monter par là, après on a un truc par là. Papalapam, papam, pam, pam. Et après on va aller là. Allez, c'est parti. Par contre, il va falloir que je les tue. Oh, il y a la téléphone, ils sont rouges. Mieux vaut porter ma capuche ici. Ah, c'est une zone de méfiance. Mais c'est des méchants. Ah, attends, il y a qui ? Ah, c'est un ivre. Un ivrogne. Un ivre. C'est un ivre. Oh, arrête de sonner ! Viens, l'hydromel, l'hydromel, hey, viens. Tu veux de l'hydromel ? Ah oui, et pour ça je vais venir. Les murs sont robustes, mais la sérénité du bois de fer me manque. Plus de bière, plus de misère. Que se passe-t-il ? Je veux voir. Oups. Non, il faut que je me casse. Au secours. Je veux pas mourir dans notre souffrance. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, toi? Coupe-gorge. Je peux tuer quand même. Même si tu voulais pas. Non, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de taper. Bien sûr, je sais, j'irai où je veux. Chut. C'est pas Oda, je connais pas. Ah! Oh putain, comme il m'a chopé lui! Ou toi! Ou toi! Tiens! Ou tiens! Je te calme ou je te calme? Ou tu me calmes plus tard? Non mais! Allez! Va-t'en! Voilà. Hop. Oui, non, mais après, quand même, quoi. Faut quand même que je reste à proximité. Ah, mais c'est bon. Laissez-moi tranquille, arrêtez de me taper. J'ai rien fait. Moi, je voulais rien faire. Je voulais pas. Je voulais pas participer. Je vous jure, je suis gentille. Est-ce que je suis allée au bon truc? Non. Mais non, mais Kira, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, on va aller là. Pas grave, on va faire taxe, etc. Et après, de toute façon, il faudra redescendre. Donc voilà. Mystère. Raté. La fosse au combat d'Outgard. C'est là que naissent les légendes. Gagados! Légendes! Connor et Dan! Il y a quoi? Il y a une quête là? Bah oui, il est censé y avoir une quête, mais je sais pas où en fait.
peut-être là. Qui se battra aux côtés de nous pour l'audacieux ? Oh ! J'ai entendu dire que tu cherchais un partenaire. Les combats ont lieu à deux contre deux. C'est la règle. Mais n'aie crainte. Il te suffira de regarder Dougre l'audacieux anéantir ses ennemis. Attendez à ce que les fosses de combat des Yotnar proposent de redoutables adversaires. Redoutables, oui. Trop féroces pour toi. Mais tu pourras te cacher derrière moi. Je m'en occuperai d'une seule main. Ah, j'admire ton assurance. Je vais accepter ce défi. Et tu n'auras pas à le regretter. Car Dougre l'audacieux n'est pas seulement un grand guerrier, mais aussi un terrible métamorphe. Choisis un animal, n'importe lequel, et j'adopterai cette forme lors du prochain combat. D'accord. Un loup. Je n'aime pas beaucoup les loups, mais pour une fois, j'aimerais en avoir un de mon côté. Ruse et sauvagerie, cela me plaît. Allons-y. Allons-y. Go. À quoi peut bien servir un lapin ? Mais wesh, il est fou lui. Oh, mais j'ai pas d'armes et tout. Oh là là ! Oh là là ! Waouh ! Raté. Raté. Voilà. C'est quoi ce truc qui s'est transformé en lapin, quoi? On en parle ou pas? C'est quoi ce mec? Qu'est-ce qui t'a pris? Un lapin? Tu espérais tuer tes adversaires en les grignotant? En adoptant une apparence si vulnérable, je les ai amenés à baisser leur garde. C'est ainsi que se bat Dougre l'audacieux. Et tu peux te transformer en une bête féroce au moins? Bien sûr que oui. En ce qui me plaît. C'est que je n'en ai pas envie pour l'instant. En tout cas, après ce combat, tu as intérêt à m'offrir une belle récompense. Si tu ne veux pas finir en ragoût. J'ai trouvé un message sur le cadavre d'un voyageur. Il te conduira à des trésors et des secrets. Du moins, je l'espère. Ok, merci, c'est gentil. Une carte au trésor. Ok. Indice de Dougre. Ok. Inventaire. J'ai pas sauvegardé, je vais vite fait sauvegarder parce que c'est ton jamais. Si à un moment donné j'ai une coupure ou que sais-je encore, bah voilà, au moins ça permet. Voilà. Inventaire, non, c'est toujours dans l'inventaire. Là ensuite, et après quand on descend, on a des objets à collecter. Patate, petit, blablabla. C'est lequel? Objet de quête. Une tour solitaire est dressée à l'endroit où elle avait une sœur. Grimpe dans la lance de pierre et tu trouveras l'hôte. Jadis, un serpent déchu a envoyé une flotte au désastre. Cherche le chemin entre roche et écorce et tu trouveras le tombeau. Grimpe dans la lance de pierre et tu trouveras l'autre. Oui, de toute façon, j'arrive un peu à trouver, quoi. Comment te dire? Alors, du coup, on n'a plus qu'à aller par derrière pour aller choper le truc. Par contre, il y a un truc, on dirait, il est à hauteur. Il est par là. 65 mètres. Alors, est-ce qu'il serait sur le côté? Peut-être qu'il est juste là, en fait. Genre là. Non, pas là. On va pas ouvrir la cage, sait-on jamais. Ah bah voilà, et il nous faut une clé. Non, il faut pas de clé, juste ok, nickel. Et l'autre du coup il est en haut. Ouais, enfin je pense qu'il est en haut en fait, ou alors il serait encore plus loin.
Oh salut, bonjour, au revoir. Oh Lolo. Non, non, je suis parti. Détends-toi. Oh, tu s'est transformé en ours, quoi. Genre, ça y est, il s'est préparé à me tuer. Il a aucune patience. Voilà ce que le mot que je cherchais. Eh ben dis donc, c'est quoi ce bruit? Oula. Allez, monte, mon petit, monte. Mais c'est pas possible. Je suis en train de chercher un jeu d'horreur parce qu'en fait, mercredi, je vais jouer à Phasmo. Et j'aimerais aussi faire d'autres jeux d'horreur plutôt que Phasmo, parce que Phasmo, au bout d'un moment, il est bien... Ah, évidemment, il est chiant. Et du coup, je cherche un bon jeu d'horreur, mais je trouve pas. Enfin, j'ai pas totalement bien regardé non plus, mais... Voilà. Je cherche un bon jeu, si jamais... Si jamais je suis preneuse. Oula. Y'a des mobs méchants. Ouah, y'a des mobs pas gentils du tout. Alors. Le truc il est par là et la clé elle est. Là. Ok. Attends, on va attendre parce que s'il saute par-dessus, que je puisse le choper quoi. Non, il saute pas par-dessus, mais là moi je vais le choper. Ok, je voulais pas faire ça en fait. C'est pas grave, je voulais pas. C'est bon, il n'y a plus l'air d'avoir de mob. Ah si, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, on joue à ça maintenant. Salut God. Olé. C'est toi qui joues! Arrête un peu! Comment je fais pour monter là-haut? Je peux pas monter pour détacher le truc? Et à un moment donné, ce truc ça s'enlève ou pas? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vois qu'il y a le truc là, ouais. Ah oui, là, comme ça. J'avais pas vu. Voilà. Et du coup, on a plus qu'à récupérer le truc là-dedans. À manger, c'est bien bon, miam miam miam. Et déverrouiller le coffre. Voilà. Et toc, c'est fait. coucou tout le monde. Donc du coup, maintenant... Oula, c'est quoi cette... Oh là là. Cette image. Ok. Allez. On y va, c'est parti. Du coup, on va choper le truc. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir des petits, tout petits trésors plus tard. Ou alors je me trompe. Ou alors, je sais pas. Je sais pas. Après, le truc, il est pas très loin. Donc, pour le moment, on va aller... là. Oh, il y a un... Regardez.
y a un truc. Genre là. Il y a un truc pour aller dans la grotte. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Note de Gunlot. J'ai entendu une voix, non, plutôt une réponse. J'ai appelé, il a répondu, mais je ne dois pas me laisser emporter par l'enthousiasme. Ce fut un instant si bref qu'il est possible que cela n'ait été rien de plus que l'imagination d'un esprit surmené. Je dois écarter ce risque, recommencer la procédure, tester encore et encore. Pourtant, si... Trop bien la cachette. Waouh. Oh oh. Il y a un truc qui est en rapport avec l'histoire. Et là on va faire ça comme ça. Et il n'y a plus rien. Mais oui, bien sûr, c'est comme ça. Allez, go! Oh non! Il y a un mob qui arrive. Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'on me repère. Mais... Il est où le truc en fait? Il est pas très loin. Il y a des trucs par là, on dirait. Ok. Ils sont tous en haut, en fait. Et là, je suis... Ah voilà, ça y est, ils sont tous... Ils sortent plus, ça y est. Ils s'énervent maintenant. Alors, il y a la clé à trouver du coup, forcément, qui est en face. Exact, elle est en face, la clé. On va aller la chercher. Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Faut aller chercher la clé en face. Voilà. Voilà. Lire. Lire. Comme ça, je suis l'esclave préféré de Soutongre, le premier des esclaves. Voilà ce que je suis. Quel grand honneur, c'est le bâtisseur en chef de mon maître. De travail dans la neige et la glace jusqu'à ce que mes doigts noircissent. Mais les privilèges ont certains avantages. J'ai pu me rapprocher des trésors du maître et j'ai fauché une clé. Maintenant, j'attends le bon moment. Quand je réussirai à me libérer de son joug, quand je rejoindrai Asgard... J'aurais besoin d'une monnaie d'échange pour accéder au paradis. Hop! Et là, on fait la même chose et on récupère la clé. Voilà! Et on a la pierre de Sandimir. Nananer! Il y a tellement de trucs là-dedans. Ok. Et du coup, trouver son pendant et lui parler. Voilà. Oh, je suis tombée sur toi, madame. Désolée. Oups. Vraiment, désolée. Oh punaise, c'est qui ça? Oh, comme il est grand. Oh, comme il est grand. J'ai peine à te distinguer, petit être. Ne juge pas ma valeur sur ma taille. On m'appelle Avi. Dignitaire d'Asgard, et je t'apporte un superbe présent. Ton nom ne m'est pas inconnu, mais que peut faire le puissant Soutongre d'un cadeau provenant d'une si petite chose comme toi? Je t'offre ton grand chaudron, volé par les fils de Ymir. Puisse cette offrande mettre fin aux hostilités entre nous. Un objet bien mince, mais plus profond qu'il n'y paraît. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Bien parlé, Avi.
nos peuples sont peut-être ennemis, mais tu mérites que l'on t'accueille ici. Esclave, quelqu'un de renom est parmi nous. Préparez un festin. J'espère rencontrer aussi ta fille Gunlod. On m'a beaucoup parlé de ses talents en matière d'art mystique. Elle est en train de travailler, comme toujours. Mais sache qu'elle n'a guère de penchant pour la compagnie. Je pourrais lui demander de venir au festin, si tu le souhaites. Nous pourrions discuter d'alchimie sur la route. Cela me plairait, oui. Tu la trouveras dans sa grotte, en haut du chemin, au sein du cercle de pierre. Mais méfie-toi. Tu ne crains rien en ma présence. Mais il n'en va pas autant ailleurs en Outgard. Je ne suis que discrétion. Et Avi, ménage-la. Gunlod n'est pas comme toi et moi. Ok. Sa grotte est dans le cercle de pierre. Ah bah tiens, forcément. Elle est dans la grotte où on devait aller. Oh, le donjon d'Outgard, mais ça y est, ça me disait quelque chose. Mais bien sûr que ça me dit quelque chose. C'est dans WoW. Nye. Eh ben allons dans la grotte du coup. Hop. Allons dans la grotte festoyer. Bonjour. Du cercle de pierre. Voilà le cercle de pierre, mais aucun chemin ne mène au sanctuaire. Encore une illusion. Et voilà. Le chemin vers l'intérieur est dévoilé. Grotte. Et voilà. Ouh là là. Gunlod, quel est cet endroit ? Autrefois, nous créions de la magie puissante ici, pour tenter de voir tous les avenirs. Mais chaque voie menait au Ragnarok. Père ne vient plus jamais ici. Il n'y voit aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas abandonner. Tu fais partie des Aesir. Oui. Oui. J'ai vu des images de l'avenir. Entendu les voix de ceux qui vont venir après nous. Des voix de... là-dedans ? Oui. Je leur laisse des messages. De petits paquets d'éventualités en attente d'oreilles inconnues. Dans très longtemps. Ah. Que disent ces voix de l'avenir ? Elles cherchent la sagesse du passé. Parlent de choses futures. Mais elles non plus ne peuvent empêcher le Ragnarok. Il y a festin en mon honneur. Ton père m'a demandé de te ramener. Non, pas encore. Écoute, je veux que tu entendes ces voix. Es-tu là, prophète ? Peux-tu m'entendre ? Un autre jour, peut-être ? Un autre fil. Viens. Il ne faut pas faire attendre père. Oh. Qui êtes-vous ? Oh mince. Mais. Il venait de parler. La lame de l'hiver est tranchante, et les perles du ciel tombent drues par ici. Ce qu'il fait froid ici ? Pourquoi cela t'étonne-t-il ? Je ne suis pas sortie depuis... Je ne sais même plus. Tu te consacres à ton travail. Ah ouais, d'accord. Mon travail, ma responsabilité. Mon peuple ne sait rien du désastre qui va s'abattre sur lui. Il faut que quelqu'un agisse. Nous cherchons depuis longtemps une solution. Et ce fardeau pèse sur mon esprit. Je ne pense plus aussi clairement qu'autrefois. J'ai entendu dire qu'une méthode n'avait pas encore été essayée. C'est vrai. Mais l'activer reviendrait à profaner notre puits de savoir, auquel s'abreuve tout Midgard. Impossible.
impossible de dire quel serait l'effet sur les humains. Au minimum, cela susciterait le chaos. Et je ne leur veux aucun mal. Même si cela devait tuer tous les Yotnars, nous trouverons un autre moyen. Il le faut. Ouh là là. Cette région est très belle. C'est une chose que j'avais oubliée. Ouh là là. Aucune tempête de neige n'a duré aussi longtemps. Ça sent la sorcellerie. Ah, ça y est, on est plus dans la tempête de neige. Trop bien. Et on garde les choses. Où nous conservons nos plus grandes découvertes. Des choses qui ne doivent jamais tomber en de mauvaises mains. Ah ah. Intéressant. Aucun mur de pierre ne nous protégera lorsqu'adviendra le Ragnarok. Tout ce que nous avons bâti sera balayé. Il y a plein de trucs après aussi à découvrir une fois qu'on... Nous avons longtemps pratiqué la magie dans cette tour, au point qu'elle a fini par en imprégner les murs. Genre, je me suis fait éjecter de mon élan, quoi. Le vent et la neige ont fragilisé cette tour. Nous devrons bientôt la battre. Ok. Oula, le festin. Je me sens tellement pas bien en étant humain comme ça. Putain, ma mère elle est plus petite que son père, quoi. Il y a des trucs de boissons partout. Moi je reste à côté de vous là. Il est trop bien le chaman. Oui, un festin mémorable. Cinématique. Cinématique. Cinématalk. Avi, ton festin est prêt. J'espère qu'il te plaira. Bah, j'espère aussi. Montre généreux et hospitalier, grand Soto. Nul ne peut le nier. Et regarde, ton cadeau occupe une place de choix. Plein d'hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour 100 Yotnars. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'hydromel provenant de tes réserves ? Inutile ! Il se remplit tout seul. C'est ça la magie de ce chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'hydromel ? Vous entendez ça ? Avi craint de nous assoiffer. Mon chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister? J'ai du travail. Et ton travail peut t'attendre, ma fille. Reste un moment, divertis-toi. Nous avons très peu de temps. Amuse-toi. J'insiste. Ok. Avi, les invités sont perplexes. Ils te savent Aesir, mais ne te connaissent pas. Tu veux bien leur parler ? Je le peux. Notre hôte d'honneur va nous dire quelques mots. Cet Aesir est ici en paix. Et nous a apporté un splendide cadeau. Venez. Il est tout petit par rapport à lui, quoi. Même si... J'ai beaucoup, quand même. On m'appelle Avi, et ma hache ne dort jamais. Le sang de mes ennemis est mon hydromel, et leur crâne, mon coussin. Tu sais parler. Ils ont toujours adoré la violence. Vous êtes tous des frères et des sœurs pour moi. Ouais. Pas trop de familiarité. Les Yotnars sont d'une nature réservée.
J'aimerais chanter quelque chose. Je vais vous chanter le lait d'Idun, dont les pommes offrent la vie éternelle. On aime guère les longs récits, quand on a le ventre vide. Ok. Maintenant, buvons et mangeons de bon cœur. Skål. Que le festin commence. Comment faire pour qu'ils boivent plus vite? Oh, 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 oh. Persuader les invités de boire davantage. Certains plats donnent soif. Je devrais aller aux cuisines. Gunnlod est taciturne et n'a pas bu une seule goutte d'hydromel. Je devrais peut-être aller la divertir. Ouais. Bois pas, Gunnlod. Je n'y tiens pas. La boisson n'est qu'un héron qui vole les souvenirs. Certains disent que la boisson fait oublier les tracas. Oui, les ivrognes. Tes réparties sont aussi vives que ton intelligence. Réparties ? Je ne faisais que dire la vérité. Faisons un jeu. Propose-moi des énigmes et voyons si j'en trouve la réponse. J'adore les énigmes. Comment le savais-tu ? Tous les grands esprits adorent ça. On y voit l'ordre dans le chaos, le sens dans l'absurde. Tu m'as bien cerné. D'accord, je veux bien jouer. Commence par quelque chose de facile. J'aimerais avoir aujourd'hui ce que j'avais hier. Trouve ce que c'est. L'homme en est troublé. Les paroles entrées, mais les discours inspirés. Le courage. La réponse est le courage. Non, la réponse est la bière. Oh. Je croyais que tu devinerais. Tu as l'air d'aimer beaucoup ça. Tu en veux une autre ? Oui, j'en veux une autre. Allons-y. Quelle est cette chose stridente qui parcourt une route dure en ayant déjà pris ce chemin ? Elle frappe fort qui a deux bouches et ne glisse que sur l'or. Une flèche ? C'est sûrement une flèche. Les flèches sont stridentes et embrassent fort. Mais deux bouches, l'or ? La réponse est un marteau. Une autre ? Ah. Oui. Je sens que je vais trouver celle-là. Prépare-toi, elle sera plus difficile. Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier. Aucune main ne l'a retourné, aucun marteau ne l'a frappé. Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait. Pourrais-tu répéter l'énigme ? Encore une fois ? Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier. Aucune main ne l'a retourné, aucun marteau ne l'a frappé. Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait. La neige ? De la neige sur les arbres. Tu as un cœur de poète, mais tu aurais dû réfléchir davantage. Des cygnes et des œufs. Eh bien, le jeu est terminé. A-t-il réussi à t'égayer l'esprit ? C'était très décevant. Tu devrais peut-être trouver quelqu'un dont l'intelligence est plus proche de la tienne. Utgard, vieille forteresse des Jotnar. Sultungr a de l'influence dans ses murs. Il faut que je vide ce chaudron. Ensuite, Sultungr ouvrira ses réserves. Alors, lui. Il voit les musiciens. Mais il n'y a pas de... Les âmes sombres ne font que s'humecter les lèvres. Jouez-nous un air pour qu'elles s'allègent l'esprit et vident leur coupe. Volontiers, mais on m'a volé ma harpe. Impossible de jouer sans elle. Qui peut voler l'instrument d'un barde ? Un groupe d'enfants s'amusait près de nous tout à l'heure, les yeux pleins de malice. Je vais te rapporter ta harpe. Ensuite, vous jouerez. Des esclaves. Des humains élevés pour servir. Tel est le lot des faibles. Alors. Ah, je peux pas prendre la carte. Ok. Donc il faut qu'on trouve les gosses. Ils cherchent des concurrents à opposer à leur championne. Un combat les aiderait à vider leur coupe. Ils cherchent des concurrents à opposer à leur championne. Un combat les aiderait à vider leur coupe. Eh, bonjour. Avi, montre-nous ta force. Bats notre championne et nous viderons nos cornes en ton honneur. Amenez-moi cette championne.
que mes poings lui attendrissent le lard. La voilà! Te moques de moi? Je ne vais pas me battre contre cette vieille carne. Ah, si tu as peur de te mesurer à elle, eh bien... Entendu. C'est vraiment votre championne, qu'il en soit ainsi. J'essaierai de ne pas lui briser les os, mais je ne promets rien. Oh punaise! Non, non, elle est pas forte. Je vais y arriver. Aouh! Voilà, j'ai gagné. Nananère, j'ai gagné alors qu'elle était rouge. Ta puissance est impressionnante. Tu as réussi à vaincre le grand âge. Personne n'y était encore parvenu. Alors buvez en mon honneur, comme promis. Vous tous, videz vos cornes pour avis. Ok. Il a à moitié disparu. On peut donc vider le chaudron des gires. Personne n'a vu jamais réussi. Donne-la-moi. Je veux essayer. Oh, des sales pattes de marin. À moi. Cette harpe ne t'appartient pas, petite voleuse. Tu ferais mieux de la rendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Te battre avec moi? Et si tu me proposais un vrai défi, plutôt? D'accord. Si tu veux la harpe, plonge dans cet hydromel. Mais grimpe très haut, car je veux que ça éclabousse. Anna. Alors. Tu casserais les cordes avec tes gros doigts. Je parie que cette vermine ne le fera pas. La chute lui cassera combien d'os à ton avis? Au moins 50. Peut-être 100. Wouh! Tiens, je l'ai fait. Je suis sous maintenant. Rends-moi la harpe que les musiciens puissent jouer. Par les bourses d'Ymir. Incroyable! Tu dois avoir du sang de corbeau. Mais qui t'a appris à parler de la sorte? Ma mère? Pourquoi? Voilà. Allez, maintenant on descend. On descend, on descend. On est un peu partout en fait, hein, quand tu regardes. Ouais. Eh ben, j'ai vos harpes, mais je peux pas vous revenir vers vous. D'accord. Ok. Les invités ne boivent pas assez vite. Je peux peut-être arranger cela. Il me reste juste ça, du coup, à aller voir. Wouh! Aucune musique n'est plus douce que celle du choc des cornes à boire. Je devrais... Salut à toi, Harvey. Veux-tu tenter ta chance à l'arc? Il faut toucher trois cibles en quelques battements de cœur. Je sais priver les guêpes de leurs ailes. Ah, mais y parviendras-tu malgré l'hydromel? Avant chaque essai, tu devras boire. Wow. Je relève ton défi à une condition. Chaque fois que je boirai, tu boiras deux fois plus. Ha! C'est une condition que j'accepte volontiers. On commence? On commence. Montre-moi ces cibles. Alors bois et laisse voler tes flèches. Allez, essaie! Que veux-tu qu'il t'arrive? La dernière fois que j'y ai joué, j'étais tellement ivre que j'ai envoyé une flèche sur mon frère. Ça n'arrive jamais de plus. Oula. La saoule est... Mais ouais, je veux bien, mais... Elles sont où les flèches? Voilà. Oh là. Moins facile après avoir bu au ruisseau des réjouissances, n'est-ce pas? Mais non, mais je l'ai pas fait. Bois et essaie encore. Ouais, je veux boire encore. Te revoilà. Tu as envie de manier l'arc? Oui. Montre-moi ces cibles. Alors bois et laisse voler tes flèches. Oh là. C'est bon, là. Espérons là. Que tu tiens mieux la bière que tu ne tiens ton arc. Joli tir. Maintenant bois et essaie de nouveau. Ok, c'est la matrice. Espérons que tu tiens mieux la bière que tu ne tiens ton arc. Tu as le regard acéré.
mais la dernière est la plus dure. Ouais. Alors, on va voir ça. Attention. Ouais. Ouh, j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tires vraiment très bien, Javi. Ta main s'affermit avec la boisson, alors que d'autres voient tout. Une autre manche? Une autre manche. Pas pour non. Moi. Mon ventre grouille comme un nœud d'anguille. Et je vois double, si ce n'est triple. Je devrais marcher un peu. Voilà. On est guéri et on est garde. Ce qui est là. Il va jusqu'à oser. Persuader les invités de boire davantage. Pas censé. Alors, où est-ce qu'il y aurait une entrée? Oh là là. Là-bas, non? Si, là-bas, regardez un truc. Là, vers la cuisine. Voilà. Oh là là, comment elle est trop belle là. J'adore. Les cuisines. Je vais sûrement y trouver de quoi assoiffer les invités. Ouais. Comme il m'a fait flipper lui, j'ai cru qu'il était en train de faire je sais pas quoi. À 8 mètres, il y a des trucs en haut, apparemment. Attends, je vais aller voir ça. Hop. Oh mince. Bah j'ai peur moi s'il y a des... Mais what? Pourquoi t'as fait ça? J'y pouvais rien moi s'il y avait un pauvre... Ah sérieusement, je vais le taper hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là. Voilà, et là. Mais je t'ai pas dit de sauter. T'es sérieux? T'es chiant quand tu t'y mets. Mon idiot. Oh non, idiot. Mais sérieusement, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des trucs? Il faut que je vide ce chaudron. Ensuite, Sutung ouvrira ses réserves. Alors. Il faut que j'arrive à monter sur le truc. Est-ce qu'il y a une clé par hasard? Ouais, il y a une clé. Oh, je pense qu'il y a une clé. Je pense. Alors. Voilà. Enfin. Ouh. T'as enfin réussi. Punaise. Ah non, il n'y a pas de clé, je pensais. Après on a quoi? 290, 200, 100, ah 5 mètres, ah oui 5 mètres c'est ça, ok. Épices. Les épices corsées donnent envie de boire. Mais comment m'en servir? Mais non, ne te fonds pas. Le sanglier pourrait être un peu plus relevé. Toi tu te calmes, d'accord? Le sanglier pourrait être un peu plus relevé. Où est le sanglier? Alors... Là j'avoue que je sais pas où aller. Je reviens juste vite fait.
Voilà, donc de retour. Faut que je trouve le sanglier, je sais pas où il est. Le sanglier pourrait être un peu plus... Ah, il est là, le sanglier. Voilà, on l'a trouvé. La bouche en feu, ses invités boiront davantage. Voilà. Alors. Et non, c'est bon, non? Il y a encore des invités à voir encore, je crois, c'est ça. Là, il y a ceux qui sont là. Celui-là. Égir, puissant ami d'Ézir, ne regrettes-tu pas d'avoir perdu ton chaudron? Il n'a jamais vraiment été à moi. Thor l'a gagné auprès de Ymir afin de festoyer dans ma halle. Je n'ai fait que le garder pour lui. Et après cette vilaine affaire avec les fils de Ymir, je préférerais m'en débarrasser. Je ne veux pas de querelles, selon toi. La fin des querelles. Je bois à cela. Et moi, je bois à tout. Ok. Le chaudron est vide. Je dois le dire à Sutung. Voilà. Le chaudron est vide, on peut aller aux réserves. Oui, des réserves. Enfin! Enfin! C'est pas trop tôt! Grand Sutung, les invités veulent de l'hydromel, mais le chaudron est vide. Vraiment? Je ne pensais pas que ce soit possible. Gunlod? Oui, père? Ouvre les réserves. Dis aux esclaves de rapporter de l'hydromel pour mes invités. Est-ce une bonne idée, père? Plusieurs sont déjà ivres morts. Fais ce que je te dis, fille. Je veux qu'ils aient à boire. Comme oui, père. Veux. Je vais ouvrir les réserves. Personne ne dira que Sutungr se montre avare. Ce serait un mensonge. Voilà. Bon, bah du coup ça va être la fin de l'épisode étant donné le fait qu'il va être 16h30 et que ça va être du coup la fin de l'épisode. Je vais juste récupérer les compétences avant de vous souhaiter à tous une bonne fin d'après-midi, ou un bon début d'après-midi, ou un bon, non, plutôt bonne fin, parce qu'on est quand même pas loin de la fin de l'après-midi quand même. Et du coup, on se retrouvera demain, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, donc comme d'habitude. Sur ce, je sauvegarde, c'est toujours mieux. Quand même. Et je vous laisse, et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut.